Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bah attends, on va mettre notre musique, attendez. J'arrive, je vais remplir la gourde. Voilà, normalement ça devrait être bon. Voilà. Comment ça va, Libellion? Bonsoir Vox, comment allez-vous? Je vais remplir la bouteille et j'arrive tout de suite. Allez, Sbardi, let's go! Bazette! Et bonsoir! Bien le bonsoir! Comment allez-vous? Oui, c'est mon message de first trap. Ça marche apparemment. J'en ai vu plein qui ont fait pareil que moi après. Je suis mort de rire. Mais en vrai, ça marche bien, hein. Les gens, ils croient que tu leur envoyais un message, une image et tout. Une fois, j'ai fait. Italo vous a envoyé une vidéo. C'est drôle. Ça attire l'œil, tu vois ce que je veux dire. Et bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Vox, bonsoir Libellion, bonsoir Mister Mad, comment ça va? Merci pour la leur counette, des bisous. Alors attendez que je vous renvoie enfin que je relise vos messages. Ah, c'est pas encore arrivé. Ah, c'est pas arrivé encore, change. Tranquille, tranquille. Mais là, il est dans sa. Enfin, il est chez sa famille, là, donc du coup, je sais pas s'il est là. Voili-voilou. Mais il me faut être après, c'est pas grave. Il me faut être après. Attendez, j'ai baissé un peu la musique, je pense que vous m'entendez pas très très bien. Hop. Je la mets comme ça, voilà. Oh là là. Vous arrivez bien, dis donc, je me sentais seul et tristounet. Vous allez me remonter le moral, hein. Mais oui, on est là pour ça. Oh, oui, Mazette. Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps, mais grave, c'est vrai que je stream plus beaucoup en ce moment. On va dire que. Comment je peux tourner ça? Je me focus un peu plus sur ma vie IRL, on va dire. Voilà. Donc, je lance des streams quand je me sens de les lancer. Et pas me créer une sorte de. Comment dire hein? Comment je pourrais dire ça? J'ai pas envie de me forcer à faire. Enfin, de faire un planning et de me forcer à stream. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, les gens seront un petit peu moins au rendez-vous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait plaisir de te. Ouais, ça, j'ai lu. Bah, merci, j'ai cru que j'avais des mails. Non, t'inquiète pas. Hein, t'inquiète pas, j'en vois pas ce genre de choses. Mais oui, bonjour, Bébou, comment ça va?
Bah, c'est l'aspirateur, j'entends de loin. Mais oui, fais bien ton Nicki Ménage, Vox, des bisous. Et bonjour, hein, Just Novia, comment ça va, hello? Oh, mazette. De loin, de loin, de loin, écho. Ah, mais, ami, attends. J'ai cru que j'avais des amis. Ah, oh, misère. Mais non, je t'enverrai des messages, Libellion, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, Père Godwin, ça fait longtemps, comment vas-tu? Ça y est, je vois trouble. Je vois trouble, j'ai fait une séance de randonnée dans tout Grenoble pour aller à Ikea. J'ai fait 15 km aller plus retour. Je suis fatigué. Hein. Voilà. Tout ça pour tester des canapés. Regardez pour un spot lumière parce que ben j'ai ma pauvre ring light là-bas. On fait pas attention au bordel. Mais j'ai la petite ring light là-bas. Fais pitié. Voilà. Donc, je regarde un peu tout ça. Je sais déjà quel canapé je vais acheter. Hein. Oh, oui, ma zette. Ça se passe à Bellecour. Ah, mais j'ai pas fait Bellecour. Hein. J'ai pas fait du coup. Hein. C'est fini, Bellecour. Non, je suis parti là. Je suis loin. Je suis plus sur Lyon là. T'as raté plein d'épisodes, Julien. T'as raté plein d'épisodes. I am at in Grenoble. Non, j'y suis pas allé du coup. Je me suis dit, ça allait, enfin, j'allais me mettre dans la merde financièrement. Voilà. Plein de trucs comme ça, voilà. Oh. Ça y est, je vois plus flou. Ah, ça va et toi? Bah écoutez, hein, ça va. Hein. Ça va, pépouze. Hein. Un peu crevé, mais ça va. Ça va, je suis en repos, j'ai un week-end dans la semaine. Bon, c'est pas un week-end le week-end, mais je l'ai eu juste avant, donc ça va. Mais là, je vais enchaîner jusqu'à dimanche. Je passe dimanche aussi. C'est un peu la misère, mais bon, ma foi. Les pires journées. Au secours. Mais il va bien, et toi, comment tu vas? Tu as trouvé la sortie de Ikea? Ah, laisse tomber, à chaque fois, je me perds dedans. Mais là, ça va. Ça va, il suffit juste de suivre les flèches, c'est bien. C'est un bon concept, je trouve. J'aime bien ce concept-là de suivre les flèches. Ah, mais non, t'inquiète, hein, ça va, je t'enverrai des messages quand même. Mais oui, je suis pas allé à Bellecour, Père Godwin. Je suis pas allé. Je suis pas allé parce qu'en fait, l'année de prépa n'était pas prise en compte dans ma reconversion professionnelle. Je me suis dit, non, c'est mort, je vais pas arrêter de. Dans la merde financièrement, j'ai pas envie de retrouver ça, donc tant pis. On verra. Mais là, de toute façon, mon CDD de 3 mois finit fin avril, donc je verrai pour me mettre au chômage et faire une formation. Je pense, voilà, on va voir. Peut-être infographie 2D-3D, je sais pas ce que je vais faire. Inch'Allah. Ou me reposer aussi optionnellement, ça pourrait être bien ça. Bonjour Belitel, comment ça va? Oh, Gemini, hein, ça va et toi, hein? Daditel! Mazimeus, comment il va le Azimeus? Bonjour. On retourne à la réunion en septembre pour savoir si on part là-bas, vivre ou pas, du coup. Grosse remise en question sur toute ma vie. Oh! Ah ouais, mais carrément. Mais carrément. Ah ouais, mais j'aurais pas la chance de te voir, du coup, si vous faites un IRL encore. Disappointed. Tu seras tellement loin. Dibélion, ne m'abandonne pas. Non, mais en vrai, bon projet, hein. Mais c'est vrai, comme c'est à l'autre bout du monde, si on peut dire ça comme ça, j'imagine que ouais, tu dois tout remettre en question en même temps, là. Oh, hello les nuts, petit bonjour du boulot, comment ils vont, Jean? Oh, Bordac, hello, comment ça va, Bordac? Ça se passe le boulot, des bisous, bon courage, hein. On aura un grand lagon. Ah bon, mazette. Eh ben, en vrai, si vous sentez d'y aller, lancez-vous. Hein. Lancez-vous. Bonjour, hein, bonjour Greg. Comment il va? Comment ça va, Greg? Oui, hein. Mazette. Hein. Alors, j'ai vu Azimeus, comme ça on est ban à vie de Tinder et de Grindr. Comment ça se fait? Comment ça se fait, hein? Mazette. Mazette. Attendez,
Je m'en mets un peu parce que du coup je cache le chat. Voilà. Malade. Non, t'es malade. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, repose-toi. Repose-toi bien. Eh ben, bah ouais, Just Novia, t'as vu. Et Novia, est-ce que mon tirage de la dernière fois a marché? Parce que j'ai vu tes stories. J'ai vu que t'étais bien entouré, du coup, c'est cool à voir. Je suis content. Je suis content. Parce qu'avec un pote, j'ai créé un profil bon anniversaire pour souhaiter à mon chien Dex son anniversaire. Sauf que c'est un pointeur. Donc je vous laisse deviner le mot. Oh, alors attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne saurais deviner. Mais j'imagine que ça doit être bien. Ah bon, mais non, arrête. Arrête. Ah, ça craint. Ah. Ouais, j'avais compris du coup. Libellium m'a mis sur la voie. Mais Mazette. Ah, et du coup, c'est toi qui te fais ban. Oui, bah en même temps. Ils vont pas lui demander est-ce que vous êtes Zimeus misère. Mazette. Hola, hello Shootman, comment ça va? Hello. Arrête avec mon move de main. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi avec mes mains? Je fais pas gaffe, hein. Donc monsieur, mais vous les enfants? Ah, oh, misère, mon Dieu, ça craint. Je sais plus ce que c'était le tirage. Oh, ça remonte, hein, c'est vrai. Mais je t'avais dit de croire en toi, je crois, et de faire confiance en toi. Enfin, de prendre confiance en toi. Mais du coup, j'ai vu, enfin, j'ai vu tes stories, je suis content. Je suis content, ça me fait plaisir de te voir que t'es entouré et tout. Et oui, la semaine passée, j'ai passé du temps avec mes potes, c'était incroyable, mais trop bien. Tu sais ce qui me choque le plus? Non, vas-y, dis-moi. Je vois bien que tu fais pas gaffe. Oh bah ouais. Oh. Ah misère. Misère. J'ai même des belles photos d'une photobox avec eux. Oh trop cool, c'est chou. J'ai fait une fois une photobox. C'est le truc où on se met pour prendre genre les photos d'identité, on est d'accord. Hein. J'en ai jamais fait, j'en ai fait une en soirée avec mes collègues de travail. Et on savait pas quoi faire avec ma collègue, du coup on s'est fait un bisou. Mais la photo est trop belle, faudrait que je vous la retrouve. Je sais pas où elle est. Faut que je me connecte avec Instagram, mais. Attendez, faut que je me co. Depuis que Cleaner a tout enlevé, j'ai trop la flemme. Attendez, faut que je la retrouve. Elle est trop shoot. C'est l'une des seules fois où j'ai embrassé une fille de ma vie. Hein, Hello Silverbox, comment ça va? Ça fait longtemps. Que malgré le mot là en pseudo sur mes profils, il y avait plein de mecs qui venaient me parler. Ah bon? Ah ça c'est un photomaton. Ok bah rien à voir. Je te jure que des gros chiens qui font même pas gaffe à qui ils parlent. Ah. Shootman, je te fouette. Ouais, je suis ban, c'est vraiment pas une grosse perte. Ouais, mais ils ont ban ton idée, du coup. Ils ont ban ton idée. On essaie de trouver la photo, là. Ouais, c'était un photomaton. Il y avait un photomaton dans la boîte. C'est l'une des rares fois où je vais en boîte. Mais alors, je sais pas où la retrouver. Je sais pas si elle l'a... Je sais pas si elle l'a gardée dans son fil. Je sais pas si elle m'attaque dessus. Ah, misère! Merci pour les bits, hein. Vous êtes chou. Je sais pas si elle m'attaque dessus. Attendez, il faut que je la retrouve. Je crois que maintenant, avec la nouvelle mise à jour, on peut voir ce qu'on s'envoie. Je sais pas si je l'ai. J'envoie des trucs chelous des fois, hein. Genre ça.
Bref, qu'est-ce qu'on trouve de bien dans le bio? C'est incroyable. Misère. Alors attendez. Quel bonheur d'avoir été sur Grindr qu'une seule fois dans ma vie. Ah, j'y suis allé, moi ça m'a suffi une fois, hein, j'y vais plus. Hein. Oh, au secours. De toute façon, je conseille même pas. Je parlais aux gens, mais j'arrivais pas. J'aime pas les trucs d'un soir. Mais non, mais nous vraiment, c'était juste une espèce de truc boîte sur un trépied, non pas juste un appareil photo. Je veux dire, de faire une ou trois photos, tu peux te l'envoyer par mail. Ah, trop bien! Trop bien. Yeah, mais sale à bon cochon. On joue pas avec la nourriture. Oui, bah écoute, on a coupé un poivron en deux, il y avait ça dedans. Qu'est-ce que tu veux, hein? Je sais pas, peu importe, tu sais que Tinder, par exemple, si tu changes de numéro ou de téléphone, bah il te retrouve avec la reconnaissance faciale. C'est des banalités avec ton visage, ton IP, même si c'est illégal en Europe. Mais non, mais lol. N'importe quoi. Bon, ma foi. Bah, je la retrouve pas. Je la retrouve pas. C'est dommage. Là, j'ai que Cyrielle qu'elle m'a envoyé, mais bah tant pis. Elle était si belle la photo. Je suis deg. Je suis deg. J'ai regardé si je suis pas identifié. Ah, je crois que j'ai trouvé. Attendez, faut que je la zoome. Attendez, faut que je la zoome. Miss Vanjie! Voilà. Elle est choupie. Voilà. Bon, c'est l'une des rares fois où on verra embrasser une fille. Elle est trop belle. On est trop beau dessus. Burk. J-Pep. Mais quel poivron t'as vu? Oh, Flo! Miss Vanjie! Comment ça va? Hello, ça fait longtemps, dites donc. Il vient pour avoir mon Twitter NSFW, de toute façon, on sait tous. Ah bah Grindr, ils ont plein de photos coquines de moi. Ah bon? Merci Shoot pour pour ton beat. Oh. Non, il n'y a pas de commande non plus. Faut vous le cherchiez. Faut que vous le cherchiez sur Twitter. J'ai imposé mon leurre, que je bosse. Bon courage, merci pour la leurre Kounette. Bon courage pour le boulot. Non, c'est pas ce Twitter-là, Vox. Bien essayé. I kissed a girl at a light. And I liked it. Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas de commande Twitter en SFW, Vox. Je sais que tu le veux, Vox, cochon. Cochon, gros cochon. Vox, un gros cochon, de toute façon. Tu veux mon zizi? Oui. Zizi de Vitel. Non, mais n'importe quoi, mais calmez-vous, en fait. J'ai déjà trouvé. Ah bon? Comment ça, tu l'as déjà trouvé? Vas-y, envoie. En vrai, il n'est pas en privé en ce moment. Donc ça doit être facile de trouver. Après, je leur passe en privé, c'est mort. Comment ça, tu l'as trouvé, Vox? Te cochonne, je vous jure. Mazette. Mais regardez-les, là. Salut, je suis Délivrance. Oh, bonsoir Az, comment il va? Comment ça va? Hormis de ta période de bûcheron là de ce matin, ça va? T'es en train de rentrer ou pas? Ou t'es encore là-bas? Bah vu l'heure, je pense que tu dois être rentré là, non? Je suis déjà en toi. Ah bon? Ah bon? Je te fouette un petit peu quand même. C'est une SSW très artistique qui vaut le coup d'œil. Mais Jiminy fait ma pub. Et les petits culs. Il y en a qui doutaient que je n'en avais pas, hein, mais j'en ai un en fait. Anyway. Mais oui. Hein. Comment il va? Et si on lançait Hogwarts Legacy aussi un jour, ça pourrait être bien, ça, non? Le temps que ça charge. Mazette. Il t'a pas senti dernier. Il t'a pas senti la dernière fois, le grand Az. Ah bon? N'importe quoi! N'importe quoi! Je vous jure. Mais si, je le sens bien. Je le sens bien, vous inquiétez pas. 21 quand je lis ça. J'en peux plus, hein. J'en veux plus. Je cherche pas ce chiffre, hein, je vous le dis. Hein. Je regardais combien de temps j'étais en stream et je vois 21 dans mes stats de Twitch. Et ce matin, en marchant. Je regardais mon téléphone,
Et puis je lève les yeux et je vois 21 sur le numéro d'une maison. Mazette. Cut better for suck. N'importe quoi. Je vous jure. Et bonsoir Terragnon, comment il va? Hello. Hello, hello. Et merci Gemini, en tout cas, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Hello, motherfucker. Et coucou Ryuki, ça va bien et toi? Hello, motherfucker. T'as vu, j'ai changé les sons d'alerte. Hein. J'avais pas vu qu'on était en stream horreur. C'est aussi le chiffre de la trisomie, c'est pas... Non, c'est le numéro de mon anniversaire aussi. C'est toujours mon anniversaire, ça va pas ou quoi, Vox? Non, mais j'étais méga fouette. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Je me remets un peu de ma randonnée de 15 km de ce matin, mais ça va. J'ai acheté plein de choses hein, pour la cuisine. Oh, j'ai testé tous les canapés. J'ai testé tous les canapés et tout. J'aime bien. C'est un chiffre, c'est tout, basta. Pas quand il revient trop souvent comme ça, c'est mort. Une randonnée sur Bit, you ou quoi? J'avoue, mais je préfère la randonnée qu'on ait fait la dernière fois. Enfin, la mini randonnée. Hâte de faire la prochaine. Mais je suis de taille, hein. Là, j'ai bien renforcé le fessier. On aime bien. On aime bien. Et si tu vois des chiffres partout, gros million, mais grave, mais shootman, j'en peux plus. Pourquoi j'ai mis ça en bit, hein, je vous jure. Merci pour ton bit. T'as combien de traces? Car il te fout sous. Car il te fout sous. Il te fouette souvent, je trouve. Mais oui, il fouette aussi Vox. Hein, il a son fouet perso. Hein. Il a testé tous les canapés depuis les bannis d'IKEA. Mais grave. Attendez, je crois que j'ai raté le message. Si on me sent pas, c'est que t'es une autoroute. Désolé, chérie. Mazette. Ça, j'ai lu. Ça j'ai lu. Itel, tu as écouté le nouveau groupe Maeve? Non, j'ai pas écouté. Vas-y, tu peux mettre dans le Discord, dans la section musique, s'il te plaît. Je regarderai après. À chaque fois, je prends des musiques, je les tape sur le Google, mais je ferme Google et du coup, j'ai oublié. T'es bonasse. Oh, bonsoir, mon dominatrice. Comment ça va? C'est ça aussi de tester en regardant les clients de manière souillonne. Mais c'est bon, j'ai trouvé le canapé, As, du coup. J'ai des sous de côté, je pense que je vais me l'acheter là. Je vais me le faire livrer avec un spot lumière. Parce que bon, la pauvre Inlight là, au secours. Et on aura plus de lumière. Oh, Et j'ai la rêve de ma. J'ai ma rêve de ma petite penderie aussi. Hein. Voilà. Allez, on passe sur Hogwarts Legacy. Hein. Parce que t'as pas. Ah, attendez, le son il sort là. J'ai oublié de changer encore. Voilà. Je vais couper la musique si ça pourrait être bien. Parce que ça pensait à autre chose à ce moment, au lieu d'une beat. Bah oui, hein. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, tranquille, pépouse, merci, c'est gentil. Attends, je vais mettre ça dans le Didi. Merci, tes shoots. Ah oui, cool, je vais pouvoir dormir dedans. Non, mais tu veux pas dormir dans mon lit, il sera plus confortable, as. Ouin. Ouin. Pas que dormir, le grand as skip. Ah bon? Ah bon? Livraison offerte chez une certaine marque des 800 euros d'achat, je dis ça. Je dis ça comme ça. Ah bon? Ah, quoi? Mais comment ça? Et bonsoir, Mister Magic. Hein, comment ça va? Hein, oh, ton lit plein de poils de chat? Non, mais. Oh! J'ai jamais vu ça dans l'écran d'accueil. J'adore. Oh, il fait des caresses. Mais non, t'inquiète pas, j'irai à la laverie juste avant. T'épouses. Mais la dernière fois, quand t'es venu, je l'avais lavé et tout. T'as même pas vu. Choqué. Choqué. Oui, voix 2. Oui, on va faire le serpentard, du coup. Le serpentard. Oh. Mazette. Voilà, c'est fait. Merci, merci Novia, c'est shoot. Il a que des poils de chat. Bah oui.
Il y avait aussi les miens à une époque. C'est vrai. Il est vrai. Je les ai gardés d'ailleurs. Ils sont dans une petite urne là. Non, je rigole, n'importe quoi, au secours. Au secours! Ah, mais c'est fort, eh, dis donc, calmez-vous. À une époque. Pour l'instant, il est pas revenu dans mon lit, donc. Chic, aimeriez-vous parler quand vous aurez un. Alors, j'ai fait une petite déco. Il me manque grave des pierres de lune. Mais j'ai un petit peu décoré, voilà. Bon, là, c'est un peu vide. Mais regardez-moi le bureau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le bureau, quoi. Oui, on est à côté de l'urne de ton prépu momifié. Je vous jure, n'importe quoi. Alors, regardez ma petite salle, là. Bon, elle n'est pas finie encore. Je fais ma petite salle d'herboristerie. Oh, oui, il y a toutes mes potions ici, là. Bah, dites donc. Fais le grand saut. Il attend que ça dans son lit, t'as vu. Bah, grave. Grave, saute dedans. Pardon. Engouffre-toi. Oui. Voilà, là, j'ai mis le polygonum. J'ai mis les mandragores. Les mauves. Oh, regardez! Oh! Ça, c'est moi le matin! Toujours plus de plantes, tomates. Un vrai potager, cette salle m'adonne. Mais grave, t'as vu. Et c'est mieux que chez moi, hein, parce que chez moi, les plantes, elles meurent. Là, elles mourront jamais. Ça qui est bien. Moi, tu voulais dire non? Attends, où, de quoi, quand? J'ai pas compris. C'est pas de la tomate, là, je reconnais. C'est de l'illicite. Bah ouais, attends. Voilà, j'ai mon petit coin. Bon, il manque. J'ai des pierres de lune à foutre un peu de partout encore. Enfin, à récupérer pour foutre des trucs un peu de partout, mais mazette. Je lui ai dit oui si on est 6 dedans. Ah bon? J'avais pas entendu ça, moi. Va falloir que j'invite des gens, alors. Saute-moi dans mon lit. Ah! Mazette, je vous jure. Attends, je te fouette un petit peu quand même. T'as une plante en toi le matin? Non. J'ai une plante qui fleurit le matin, Novia. J'ai poussé de la verte pour peau pourrie. Grave. Non, j'ai pris. Je suis allé au. Que tu m'as dit là. Du coup, j'ai un autre. Enfin, j'ai ce que tu as acheté. T'as compris ce que je voulais te dire? Ugu. Si, c'est petit comme chiffre. Non, il faut pas abuser non plus. Mes murs résonnent. On entend tout de l'autre côté. Ouais, ça, Anne. Et coucou, Hiro. Merci pour ton resub. Comment ça va? Merci, tes choux. Il dort sur son aloe vera. Ouais. Ouais, je dors sur mon aloe vera. Ça fait des propositions bizarres dans le chat, my god. Ah, Novia, fais pas ton tamijoré, s'il te plaît. Hein. Je vous jure. Alors, on va apprendre Brombarda. C'est parti. Oh, on peut apprendre Andoloris aussi. Oh, mais oui. Bah, d'abord, Bombarda, c'est mort. Mais oui, ma pauvre aloe vera que mon chat a fait tomber, elle est morte, elle est en train de crever. D'ailleurs, on peut pas faire de chiottes douche dans la salle sur des bandes. Mais oui, mais grave, c'est trop nul. Hein. Pour parfumer son chiotard. Mais oui. Ça sent tout bon, ça sent la rose. C'est moche, t'as vu, on peut même pas ken en toute liberté sur le jeu. Mais grave, je suis choqué. Pourquoi fais pas ta mijaurée hein? Ma vie, tu sais très bien qu'on est sur un stream de chouin ici. C'est la limite possible en même temps sur mon sexe. Non mais. Non mais. N'importe quoi. T'as toujours pas accepté ma pureté sans limite. Oh, Novia. Hein? Genre, t'es pure, arrête. C'est dingue le déni dans lequel cet homme vit. Non mais. Comment je te fouette, attends. Alors, ça va juste pour toi. Bah, laissez-moi un petit peu quand même, là. Pas que pour lui aussi. Moi, j'ai rien vécu dans ma vie. Laissez-moi un petit peu dans mon lit, là. Moi aussi, je suis pure et innocente. Oui, bien sûr, oui. Oui.
C'est même tatoué sur toi. Hein. Ça clignote sur ton visage. Oui. On y croit. Ouais. Ah, faut attendre la journée. C'est nul. Alors. Mazette. Novier, laisse la place à la catin qui vient toi. Mazette, rigole pas, faut que je me calme, il y a un mec qui veut me marier. Ah bon? Je savais pas ça. Oh, il est chou. C'est ça le cours des animaux fantastiques. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. J'ai arrêté mon jeu juste pour répondre. Oh, la cochonne. Il t'échange... Attends, quoi? Il t'échange contre des dromadaires? Mais n'importe quoi! J'espère! Ouais, déjà qu'il y a une cata en mouée. Bah, dis donc, Novia. Il y a une cata en tout le monde, un jour. Vous voulez apprendre un nouveau sort? Novia, t'inquiète. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. C'est fort un peu, non? J'ai baissé un excellent. Petit peu. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce dommage avec des poules. D'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion. On a tous une catin qui sommeille en nous, mais grave. Ne le lancez pas à. Ah, ça c'est sûr, hein. C'est sûr. J'y veillerai, professeur. Mais oui, je vais apprendre Bombarda. Il vous faudra faire bombarder une extrême précision un jour. Votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Ouais, on peut perdre une main. Sommeil, pour certains. Certaines, mais oui. N'oubliez pas. Mais oui, des mouvements réguliers avec la baguette. Je vous jure, mais ça, je sais faire. Des mouvements réguliers avec la baguette. Il sommeille une heure par jour, oui, pour certains. Ah bon, une heure? Oh. Passons à la pratique à présent. Ah, il va dire bombardez-moi. Mais grave, j'attends que ça. Bombardez-moi, s'il vous plaît. J'ai bombardé les citrouilles en attendant. Oh, Itel, la sienne est insomniaque. Ah bon? Elle est insomniaque. Je savais pas. Tu m'as pas dit? C'est bien les insomnies. Ah ouais. Qui sommeille 20 minutes pour Itel. Mais lol, mais grave. Punaise, je vous jure. Ça fait si longtemps. Moi, le week-end est fait, la lambada. Et juge tout le monde. Elle juge. Oh la cochonne, hein, je vous jure. Normal, elle prend exemple sur la tienne, Az. Oh! Qu'atteint un jour, qu'atteint deux jours, qu'atteint toujours. Oh, mais lol. Je vous jure. Mais oui. Eh ben, on va apprendre Andoloris, parce que j'ai besoin d'apprendre Andoloris. Pour Andolorisser. Vous voyez? On devrait faire une chanson, les catins de l'amour. Oh, faut que je fasse un poème là-dessus. Faire un poème sur les catins de l'amour. Parti. Oui, la tienne est trop haut level pour la rejoindre. Ah, mais pardon. Je te jure. Ça bombarde bien aujourd'hui, hein. Après le bombardement, un peu d'indoloris, mais grave, faites-moi souffrir. Bombardez-moi en souffrance. Oh. On refera aussi la série Premier Léché. Ah, je connaissais pas. Je connaissais pas. Bah, hâte, hein, en vrai, j'ai hâte. J'ai hâte de faire cette séance ciné Premier Léché.
Que d'amour dans le chat, bah ouais, t'as vu. Y'a que du love ici. Ouais, délivré. J'ai plus la ref. C'était par rapport à quoi, ça, déjà? Ah! Putain! Non, il est pas venu. Il est pas là. Je l'avais oublié, lui. Je l'avais oublié. Bah, tu sais, premier baiser, ça marche aussi, hein. Ah oui, 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 c'est vrai. Elle s'est enchaînée la boîte de somnifères. Alors, la mienne, c'est la belle au bois dormant. Tu rigoles? Ah bah! Mais lol. Heureusement que j'ai mis mes écouteurs, déjà que je rigole tout seul si les clients ou mes collègues entendent. Bah, mais mets-le, dans, mets-le sur, sur la chaîne du magasin. Itel, prémisse d'Alzheimer. Non, mais c'est le temps que mes neurones se reconnectent. Mais j'avoue, en vrai, je pense que plus vieux, j'aurai Alzheimer. Hein. C'est fini. Hein. En vrai, rigole pas, il y a plein de trucs que je me rappelle pas. Hein. Fantastique. J'ai même pas 30 ans encore. C'est fou. Et mon cerveau, il fait une sélection de souvenirs. C'est improbable. J'ai reçu. Alors par contre, sur les trucs qui me font trigger et qui me les faire sasser incessamment, oui, ça, il sait faire. Mais me souvenir de trucs importants, ça, non. Mieux, on sera préparé. Me tente pas MDR. Oh, la cochonne. Vas-y, fais-le. Ça vous se trouve l'entrée du scriptorium. Je décline toute responsabilité. Peut-être que je devrais parler à Ominis. Toi ? Oui, elle dort les jambes écartées. Oh, mais... Ne te fais pas trop d'illusions. Non, ça va, j'ai une mémoire hors norme MDR. Les gens me regardent bizarre tellement je me souviens de choses. Ah bon ? Alors, moi, c'est très bizarre, mais... Je vous laisserai. Depuis que j'ai eu le Covid, j'ai beaucoup plus de problèmes de mémoire. Et je me rends compte, des fois, ça percute pas. Ça percute pas là-dedans. Hein. C'est fou, hein. Oh, je sais pas pourquoi. Ma foi. Oh, quelle belle voix. T'es content, Az. T'es content. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que et pas que l'œil ouvert, hein. T'inquiète pas, Sébastien. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Je viens. Bah, allez, mais cours, fais voilà. Quelque chose. Ah. Bah, y'a Ominis. Qu'est-ce que tu fais ici? Il nous avait pas vu venir. Bonjour, Ominis. Tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? S'il te plaît, Ominis, je t'ai déjà parlé de ce qui s'est passé dans la crypte. Le premier entrée aussi, oui. S'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité. Je laisse les autres agrandir. Ah bon? Ne pensez pas à mal. Comment ça? Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore. Les gens font des fanfictions gays entre le personnage principal et Sébastien. Ah bah oui, tu penses. Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des origines de notre maison et il a abordé le sujet, mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que gros, le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de mémoire et qu'il vaut dedans, mieux éviter de s'en mais il laisse les autres agrandir. Tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. Moi, c'est ce que je comprends. Connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la maison. Ce truc autour de lui. D'ailleurs... Elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. C'est un peu le entendu parler de ce le crush qu'on avait eu ado, quoi, tu vois. Qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé. J'avais envie de le tuer, moi. Ah bon. Elle écrivait Sébastien au sujet de ses tentatives. Je suis Ominis. Allô. Oh, ma format. On s'en format. Comment ça va, format? Moi, Victor Rockwood. Je le veux dans mon lit, putain, même si c'est un connard. Oh bah, oh, j'avoue. En voilà une belle de catin millénaire. Oh ah ah. J'ai perdu l'épisode déjà. Tu sais, une fois dedans... Oh, ma zette, je te jure. Je préfère le mec aveugle. Ah. Ma zette. J'avoue, je l'avais repéré dès le début. Mais grave, j'avoue, le Rockwood daddy, quoi. My God, mais c'est format. Mais oui, c'est format. Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre... Oui, moi, je me dirige aussi avec ma baguette. Oui, tu as cet engagé dans cette voie avec de bonnes intentions.
Oh oui, je suis une vraie catin. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répète pas forcément. Et puis tu as dit que tu voulais partager les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Comment il va le format. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Il est bien réalisé en fait. Mon Dieu, j'ai bavé après. J'ai vu qu'il pouvait me tuer. J'ai dit c'est pas grave. Je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends. Il me tue quand il veut. J'espère que. Je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. Je prends soin de mon frein. Oh, tu décides à parler. Je ne voulais rien te dire. Jure. Même quand je te suppliais. Est-ce que tu as éveillé la cata en toi, Forma? Mais lui toujours. Il va bien et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, Pépouze. Avec son gros gourdin, mais oui. Trois têtes valent mieux qu'une. Normalement, trois têtes valent mieux qu'une, oui, c'est clair. Et en suivant ta logique, trois têtes valent mieux qu'une. Les bases des mathématiques. C'est quoi, faut faire une Senju là? Il où le. Il a dit 3, hein? C'est peut-être un indice. Ah, mais ça s'éteint! Ah, il me faut. Confringo. Alors, il y a un ordre? Ah bah non. Y'a pas d'ordre. T'inquiète, le grand Az, y'a toujours d'huile pour le frein. Bah oui. J'ai mon huile perso. Il me tue mais m'offre le paradis avant. Merci, let's go. Ah, grave. Des couloirs aussi lugubres que toi. Mes préférés. Et c'est ainsi qu'il t'aime, mis le feu à Poudlard. Bah ouais. C'était marrant. Et pas qu'à Poudlard. Oh, ma zette. Une porte fermée. De me faire entendre, ne pas nous servir de la magie noire comme le préconise ma famille. En arrivant dans le scriptorium, je trouverai la preuve que ce laser Serpentard a accompli bien plus que ce que l'on croit. J'ai écrit à mon frère, il sait maintenant comment j'ai accédé à l'entrée du couloir et qu'il n'existe pas de chemin direct vers le scriptorium. Il s'agit d'un labyrinthe aux nombreux défis. J'espère que mon frère m'emboîtera le pas et que nous pourrons étudier l'héritage de notre ancêtre tous les deux. Oh, la cochon. Un extrait de journal. Signé par Noctua Gaunt. Aussi, j'ai de l'île perso. Ah bon? J'ai su de ne pas pouvoir faire. Ici. Pierre Tortum, Locomotor. Ah, j'avoue. S'il y a un ordre d'abord, on suce. Après, on offre son Hulk. L'inverse est très cochon. Le journal ah oui, c'est vrai. Épreuves. Oui, oui. Je préfère dans cet ordre-là. Ville de coco, rien. Oui. Alors, pour l'anus, je crois que c'est pas bon. Il doit y avoir quelque chose à faire avec ce tas de gravats. Je crois que c'est pas bon l'huile de coco, faut faire gaffe. Hein. Faites gaffe, hein. Je crois que c'est pas préconisé. C'est pas préconisé pour. Je sais, alors je sais, oui, c'est pas préconisé. Parce qu'il y a quelqu'un qui le recherchait dans mon magasin pour de l'huile pour. Pour des relations intimes. Et du coup, j'ai regardé et faut pas en mettre. La nu. Voilà. Dommage qu'on peut pas faire Aguamenti. Mais oui, j'avoue. Ça sent le vécu par là-bas. Non. Je conseille mes clients du mieux que je peux. Hein. Novia. Voyons. La voix est ancienne. Il y a tellement de sorts qu'on peut pas faire. Ça a commencé quand tu as réparé le relief. On peut pas faire sniff vivement les modes. J'avoue. Je parle Fourchelangue. J'avoue, c'est vrai. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Mais Locomotor, là, j'aurais tellement aimé le faire, là, comme. Comme dans le film. Si seulement les pouvaient parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas Fourchelangue. C'est souvent associé au mage noir. Moi, je sais parler Fourchelangue. J'espérais que tu avais changé d'avis. McGodanal, oui, voilà. Mais oui, Minerva. Une huile quelle qu'elle soit ne peut pas être mauvaise ou plus mauvaise qu'une déchirure anale. Je confirme. Je confirme, voilà. Crois-moi. Oui, oui. J'ai bien failli. Et après, ça se dit pur, hein. Grave. Je suis tellement épuisé mentalement, ouais, j'ai juste envie de voir personne et jouer à Hogwarts Legacy. Pourtant, mais non, la belle famille débarque alors qu'on les a déjà vus hier. Ah, mais au secours. Je n'arrive pas à croire. Encore ? Déjà la Saint-Valentin ?
pauvre, bon courage pour le ménage. Ça a marché. Ominis, tu possèdes une capacité rare. Mais oui, mais apprends-moi, Ominis, la fourche langue. Nous deux. Je tu leur dis bye et puis c'est tout, mais grave, si t'as pas envie, un moment mais c'est bon. J'ignore par où passer. Oh, faut faire quoi? Faut allumer toutes les torches. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. Ah. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Bah attendez, il faut que je fasse Lumos. Faut que j'illumine l'intérieur. Je parie qu'il meurt ici. Comment ça? Je sais que t'aimes me voir souffrir, Azin. Le cadran exige de la concentration. Le temple Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Je vais crever. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Alors attendez, je vais explorer. Je sais pourquoi tu dis ça maintenant. T'inquiète, on va faire bail en déménageant vers ailleurs et loin. Mais oui, on a décidé de vivre au Groenland. Au moins tu verras plus ta belle famille. Salazar Serpentard a enfoui ce scriptorium profondément sous Poudlard. Oh, le cochon. J'ai peur de perdre mon chemin dans ces couloirs obscurs. J'ai beau être une descendante, je me sens pas la bienvenue. Allumer ces bras zéro dans le couloir m'aide beaucoup. Je dois me montrer forte, j'avancerai en relevant chaque défi l'un après l'autre. Cet ok. Extrait de journal, il parle de ce. Eh ben on va allumer des torches. C'est parti. Pauvre tante Noctua. J'aime bien quand on me susurre comme ça dans l'oreillette. Ah, ah, j'ai compris. Quoi cette forme? Ok. On m'a dit que vers Grenoble c'est joli. Bah oui, viens. La mélose. J'ai réussi à... Bah oui, avec plaisir, Vox, mais grave. C'est ce que je comptais faire, mais... Mais oui, viens, Vox Sooner. Beau travail. Gaunt, oh là là, Ominis, pauvre enfant, qui a comme descendance Voldy, le sang-né. Ah bon? J'ai besoin de me... Attends. J'ai besoin de me libérer. Ah! Bah, tu peux venir après le... Tu peux venir après le... Le stream, si tu veux. J'ai besoin aussi. Voilà. Extraordinaire, ce voyage est périlleux, mais si enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison. Salazar Serpentard avait de grands projets pour... Oh, j'en peux plus, là, quand il me susurre comme ça, dans les oreilles. Noctua évoque des épreuves douloureuses. Grenoble, c'est super sympa, j'ai un ami par là. Un ami, ah bon, qui est une femme et des enfants. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est... C'est cela, oui, c'est cela. Lumos. On n'y voit rien là-dedans, hein. D'autres énigmes nous attendent. Examinez chaque. Vous libérez concours de paix après le stream, voilà. M'excite pas, STP. Ah bon. Ah oui, c'est vrai que Az, son kink, c'est les hommes hétéros qui ont des enfants, c'est ça? Qui ont une vie de famille et tout. C'est ça le kink de Az. J'ai compris, Chpépé, quand il me... Non, quand il me susurre comme ça dans l'oreille. Le briseur de ménage, mais grave. Alors c'est quoi là? Le triangle avec... Ouais, ok. Il est où le serpent? Mais n'importe quoi, c'est les centenaires qui ont la goutte. Ah bah... Ah! Ça me dégue. Il est où le serpent, là? Papa, il y a un hétéro qui se reconvertit, qui veut venir en soirée avec moi samedi à Bruxelles. Ah bon? Tu n'as plus qu'à changer de bord et faire une descendance. Ah, Mazette, quelle horreur.
Non, je suis très bien comme ça. Merci. Alors, attendez. Mais, alors. Il faut un serpent pour là, non? Il n'y a pas ici? Alors, faut que je le fasse à la porte là-bas. Rien, là. Comment sortir? Un autre portail. Serpentard était plutôt non. Joueur, on dirait. Ça doit être de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Non, ça marche pas. J'ai crevé. Ça a l'air très compliqué, non? Tu as l'air surpris. Alors que il veut pas, il est égoïste, mais avec lui. Juste verge, alors. Mais comment... Comment ça? Faut que je change de bord pour que tu t'intéresses à moi, c'est ça? Mais alors, il est où le serpent, là? Alors, faut que j'avance de l'autre côté, tu vas comprendre. Rébellion. Ah, mais c'est de l'autre côté. Lumos. Bon, je me cache, je veux pas te spoil d'ac. Bisous, Vox, bon courage avec la belle famille. Alors, les lunes et l'infini, ok. Laissez-le, il veut pas de verre, je tue. Mais lol. Impressionnant. Donc, oui, que tu deviennes femme avec des triplés et je pourrais baiser ton mari. Oh bah dis donc, moi, je préfère être le mari en fait. Ça va pas ou quoi? Si tu veux, pour t'aider, on peut dire que je suis ta femme, du coup, si tu intéresseras Az. Ah oui, on peut faire ça, oui, effectivement. Ah merde, c'était quoi? J'ai joué sur le cadran, il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent. Comme ça, on a su. Ominis. Ah oui, ça va être le spoiler. Moment du spoiler bientôt. Ah! Oui. Et c'est pour cette raison. Merde, c'était quoi déjà? Ah, je sais plus, faut que j'y retourne. Je vous prends tous les deux alors. Ah bon? Lumos. Ah bon? C'est assez endurant? Je vous jure. Alors c'est ok et le triangle. D'accord. On peut appeler ça... Oh, j'appelle ça un poisson. Je vous jure. Encore? J'ai connu plus accueillant. Telle 5 minutes et 2 heures avec toi. Bon travail. Oh bah. On se rapproche du scriptorium. Lumos. C'est pas sympa. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. Bah grave. La porte. Lumos. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Genre je suis là pour l'échauffement, à l'aide. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. C'est tout ce que je suis pour toi. Ok, 6 minutes, le temps de m'essuyer. Ah bah d'accord. Ah, j'ai compris, je passe en dernier, y a pas de souci. J'ai l'habitude, de toute façon. J'ai perdu espoir, je suis coincé, j'ai entendu un cri, j'ai vu les visages tourmentés. Le seul moyen d'avancer est de lancer un sortilège impardonnable, même si je voulais en lancer un, je n'ai personne sur qui le faire. C'est-à-dire, Serpentard a mis au point une épreuve particulièrement odieuse. Quoi? Une dernière lettre à mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné. Malgré nos différences, je n'ai vu aucun mal, j'aurais aimé que l'on se quitte. Oh là là, misère, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, ça va, c'est une attraction à sensation forte, ça me plaît. Bah lol. C'est le tapis de course à Basic Fit. Ah bah merci. Putain, je prends cher, hein, super. Ominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal. Ça y est, je suis triste, merci beaucoup. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est ici qu'elle est morte. L'habitude. C'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Ominis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Oui, Calimero, bah ouais. Tu as dit que tu savais quoi faire. Viens, on va voir des Ginny Biscus. Bah j'arrive. Dolores gravé dans la pierre. J'arrive. Je pense que si on lance le sortilège Dolores,
La porte s'ouvre. Remets ta coquille. C'est pour ça que Noctua est morte. Ah bah d'accord. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Non mais c'est pas grave, j'ai compris, y'a pas de souci. Il devrait le lancer. J'ai compris. Hominis semble prêt à t'écouter. J'ai compris. Tu pourrais lui demander. Ah mais tu n'as plus de coquille. Il a l'air d'être en colère contre toi. Pas de soucis. Je lui parlerai. Bien. J'ai quasiment rien vu de Hogwarts Legacy, mais my god, je comprends vos messages pour Sébastien. Ah bon, Novia, si seulement cochon. On avait un peu de chance liquide. Tout cela aurait pu être évité. Hominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Allez, à 14 mais là, mais grave. Et je refuse de le faire. Le sortilège d'Oloris, c'est de la torture, et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté. Elle cache bien son jeu quand même. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Et on a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables. Voir ce que tu vas faire là, mais oui, il y a un choix à faire. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. Oh bah, dominatrice dans le... Bah dis donc. Que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Si tu lances en Doloris, tu le regretteras toute ta vie. Bienvenue, hein. Mais oui. Mais oui, mise-toi en moi. Alors, hein, les autres, ils sortent des dingueries comme quoi ils veulent bien se faire Wingardium Leviosa par lui. Moi, je dis rien de spécial, je me prends une balle perdue, cochonne. T'es une amande douce face à toutes ces chouins, mais grave. Bien sûr. Alors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège de Loris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en Doloris, ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Oh, oh. Vous savez qu'ils ont 15 ans, moi perso, ils peuvent retourner jouer au Barbie, en fait, un hein. Grave, j'avoue, passer de poil. Alors, il a dit, très bien, je ne veux pas apprendre le sortilège, je veux apprendre le sortilège, mais tu dois le lancer sur moi. Apprends-moi le sortilège et le lancerai sur toi. Je vais apprendre le sortilège, mais je veux qu'il le lance sur moi. Je veux apprendre le sortilège. De rien, tu as des enfants et marié à un homme. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. Pourquoi tu veux lui piquer son mari aussi? Mais t'es malade en fait, toi. Bah grave. Bah là, j'ai besoin de souffrir, là, comme mon cœur souffre depuis tout à l'heure. Moi, je lirai les deux. Fallait le dégommer, enfin. Bah non, moi, je préfère qu'on me le fasse. C'est bon? Je suis prêt. Bah ouais. Oh, pardon. Ça fait du bien. Est-ce que ça va? Ok, j'ai 20 défauts, on va voir si t'aimes. Bah let's go hein. Oh, faites-moi mon dominatrice. Est-ce que ça moi va? Tu verras que je dure plus de 6 minutes. C'était insoutenable. Je m'en remettrai. Continuons. Une pièce secrète est bien protégée sous Poudlard où Salazar Serpentard semble avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir aux désaccords qu'il avait avec les autres fondateurs. Non, j'ai pas dit ça. Bah si, c'était un peu tout comme. Mais oui, vive le Harry, Chess, Pubs, mais grave. Le taunt, oui. On bah ouais. C'est le temps que je t'accordais. De Salazar Serpentard. C'est encore pire. Je n'arrive pas à y croire.
Ça y est, je vais être dans le mal toute la journée là. J'ai besoin d'un câlin du coup. Super. Je crains que nous parvenons jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espérais que l'opinion de Godric serait proche de la mienne. Oh, c'est Salazar qui parle. Qu'il comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité. Mais il s'est mis à croire la théorie ridicule qui voudrait que les néo-moldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question, alors qu'il ne l'avait jamais abordé avant. Je suis là de ce conflit et je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorcières et des sorciers. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolée dans l'attente d'être... Ah, il parle du basilic. En attendant d'être relayé par une personne qui partage mes opinions, un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligemment commises, il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. Regardez cette tête nommée. Nommée. Bah ouais. J'ai tendu le linge heureux. Facile de faire la moue et le fou vexé pour obtenir un câlin, c'est perfide, madone. Non mais je fais vraiment la moue et je suis vraiment vexé. Je veux un câlin aussi. Sébastien, Ominis, il y a un livre. T'as les pubs en néerlandais là. Bah ouais, chose. Novia. Forcément, t'es en Belgique. Dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Je peux regarder. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, je peux lui donner le livre. Oui, moi, je suis en train de me libérer devant ton stream. Ah, oh, fais pas comme l'autre. Mais attends-moi pour ça, en fait, là. On dirait une sorte de livre de sorts. Gaspiller tout ça. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Pff, n'importe quel honneur. Pourquoi Omenis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Que vas-tu faire du livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude. Pas comme l'autre. Il y a un mec qui est venu sur mon stream en mode je suis horny, je suis en train de me la toucher. J'ai besoin de me libérer, tout ça, machin. Dans mon stream et tout, en train de se toucher la quéquette. Un peu gênant, ma foi. Mais je vous dois une voilà. Chandelle à tous les deux. Sans vous. Mais oui, tu me dois ta chandelle. T'es cru sur un site commençant par P. Oui, voilà. Bon, moi, j'ai joué un peu. Bisous, Shootman, merci d'être passé. À la prochaine. Bon jeu. Hein, j'ai pas le droit au plaisir solitaire. Bah, si tu préfères, c'est comme tu. J'ai compris, voilà, hein. Enfin une bonne nouvelle. J'ai compris, y'a pas de soucis. Moi j'aime bien partager, c'est tout. Merci pour tes bites. Vas-y, oh. Tu as pris un Doloris? Bah oui, je l'ai appris. Je suis légèrement dévergondé. Genre, un vrai serpent d'art. Ouais, de ouf. Voilà, je me suis présenté à l'occasion. Oh, t'es chou, merci. Merci pour la présentation. C'est gentil, hein. Mais oui. Mais oui, t'es beau, hein. Mazette. Ah. Alors, attendez, j'ai perdu le OBS, du coup. Légèrement, qu'il dit. J'aime bien le légèrement, ouais. Sortir du scriptorium. Oh, on passe par là. Je peux mettre une photo, moi. Une photo pour me présenter. Mais lol. Maintenant, bah t'écris comme tout le monde, en fait. Tu me devras de sacrées bites. Oh, cochon. Au sujet de ta tante. Sébastien, mais oui. S'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Cochon. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Ominis. Je Après tout ça. Ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Hop là. Merci. Mais oui, à la prochaine Shootman. Ah oui. Ah, merci Vox, il a épinglé en plus. Il est... Oh là là. Ah bah, il y en a un qui a quitté le serveur. C'est pas grave, je crois que c'était un bot. Ou quelqu'un qui voulait des choses bizarres. Ma foi. Ma foi. Alors tu vas vite te détendre ou je te mets à terre en tenue d'Adam.
Tu parles de moi? Eh bien, je vais pas me détendre alors. Je me détends pas, d'accord? Alors, je suis pas du tout détendu là. T'as compris? Je suis pas détendu là. Mazette. Alors, attendez. Il attend le coït amical, je crois. J'attends, je ne fais qu'attendre. Voilà. C'est pourquoi ça? Est-ce qu'on fait tout flamme? Rencontrer Poppy Sweeting. Allez, on y va. C'est plus de l'amical à ce stade. Ah non. C'est vrai. C'est plus que de l'amical, ça c'est sûr. Faites pas ça en stream, SVP, les catins. Non mais oh! Mais de où en fait? De où hein? Comment ça? De là. Bon d'accord. Non Novi, on va faire ça chez toi et t'attacher les yeux bien ouverts pour que tu te régales. Oh bah. Oui, oui, oui. Oh pitié, non. Ah bah d'accord. Non mais je vois, hein. Je vois. J'ai compris. Même ça, personne ne veut, quoi. Non mais c'est fou, quand même. Pas de pitié pour les croissants. Ah. Blague un peu, hein. GG les up. Hein. J'ai pas demandé à ce qu'on me force à regarder. Ah. Oh. Mais oui, pas de pitié pour les croissants. Jipep. Elle, Céleste, va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau. Format à l'aide, Asie me fait peur. Mais non. Pourquoi ils en avaient après? Ils rigolent. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour format à la ref, normal en même temps. C'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très ça bien. Veut dire quoi ça encore? Mais j'espère que tu me diras mais... si tu as besoin d'aide. Oui, je suis inculte. Je peux rien, j'ai pas la ref. Est-ce que le nom Ulmagiart évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore sauver des animaux hein. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on... Club Dorothée croissant. J'ai pas connu le Club Dorothée. Sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ça finit quand? Parce que je crois que je l'ai peut-être connu, mais genre sur la fin. Ah, le fouet marche pas. Tu peux bonk si tu veux. 97. Ouais, j'ai connu sur la fin, j'avais 4 ans. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère... Au moins quelqu'un qui me bonk ici. Non, maman, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. J'ai oublié. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. J'ai toujours la moue de toute façon. Dorothée, c'est leur moue de ma vie. Ah mais j'ai pas connu. J'ai pas connu du tout. Ah, mon truc d'enfant c'était M6 Kid. Tu dis que ça avait l'air trop bien en plus. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle est née il y a 3 ans, on n'abuse pas non plus. Hein. Un château entier est visé et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes. C'est des conquérants de la lumière, c'est Tienter, je n'ai pas connu. Que vous croyez que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont. J'ai pas connu, j'ai rien connu. Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Arrêtez parce que je me sens encore plus inculte là.
Nous perdons rapidement patience avec les braqueurs. J'ai le droit de rien de regarder chez moi, à la maison, hormis chez ma grand-mère sur M6 quand je dormais chez elle. Ou à midi les zouzous, tout ce que j'avais le droit de faire. C'était un sacré charmeur. Pendant 17 ans, j'ai rien vu. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers ? Je me sens stupide d'un coup là. J'ai vu les braconniers. Il y a peut-être une planète et les annales. Ah bon ? J'ai connu Capitaine Flamme sur les vidéocassettes, mais c'est tout. Purée, je viens de voir un truc, t'as pas fait ça, Itel. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Si, j'ai fait. Ah, vous me croyez pas, mais j'en ai un, hein. Oh ! Ah bon, je vois un fangeux aussi violent. T'as pas fait un jeu de mots avec téléphone? Ah si, j'ai fait ça. Oui. Mais oui, ça s'appelle e-téléphone. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qu'il aimait dans cet état. Voilà. Ça me fait plaisir. Je suis content que t'aies remarqué. C'est bizarre. Je connais les Moomies. Je ne suis pas sûre. Mais lol. Mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici. C'est-à-dire que tu peux sortir tout ce que tu veux. Tu me suceras jamais. Disappointed. Non mais j'ai capté, y'a pas de soucis. C'est pas un truc avec des poupées. Enfin, je vois ça, moi je sais pas pourquoi. J'ai pas vu, je connais pas. Mais je suis pas en fait un. Je connais pas du tout. J'ai des signes de braconnier. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Allez-y, sortez tout ce que vous voulez. Je ne connaîtrai pas. Voilà. Allez-y. Faites des tests. Amusez-vous. Il y a toujours de la fumée. Amusez-vous. Ils ont dû partir il y a peu. Code Lyoko. Non mais Novia, des trucs qui sont. Voilà. Pas sur M6 Kid. Les Lucioles. Tu fais référence à The Last of Us? Sinon, bah non, je connais pas. Je connais pas. C'est du métal. C'est de l'espèce d'hippopotame blanc, MDR. De braconnier. Je devrais en avoir. Moi, je vois des chaussettes, je sais pas pourquoi. Des trucs en chaussettes. Mon petit monstre, je connais pas. Le royaume des couleurs, je connais pas. Ouais, Blanche-Neige et les 7 nains, of course, je connais. Par contre, je connais pas cette version-là. Il y a quelque chose ? Hormis du classique Disney et tout. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Parce que Disney, ça reste classique. J'ai trouvé autre chose. Les parents veulent montrer des trucs. J'ai trouvé une armure de gobelin. À leurs enfants, ils leur mettent ça, mais hormis ça. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Pokémon Yu-Gi-Oh, tout ce que je regardais. Carte capteur Sakura, tout ce que je regardais. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins? Les seuls trucs que je pouvais regarder quand j'étais petit. Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. J'arrivais à mettre Bleach. Je ne vois pas de et Naruto le matin avant de partir à l'école ou à midi, mais c'est devrait-on tout. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ou une approche un peu moins pas connu les dessins animés papier quoi. Difficile à dire, j'ai regardé les Albator. Une meilleure vue d'ensemble. Albator 84, je crois, c'est ça. Mais sinon non, j'ai pas connu tout ce qui est Sailor Moon, tout Tintouin. Si, j'ai vu les Goldorak aussi, c'est parce que ma belle-mère les avait téléchargés et les mettait à mes frères et sœurs, mais c'est tout. Ah, Ulysse 31 aussi, Ulysse 31, effectivement. Bah, je crois que c'est les seuls trucs que je regardais chez mon père quand je pouvais y aller. Oh, j'ai fait péter le pont, hein. L'agneau retourne.
m'impressionner. Attendez, je vous lis. Attendez, j'étais voir vos momies là. Et il n'y a pas eu un passage de ces derniers mecs qui s'est retrouvé sur TikTok et est devenu une traîne pour sa musique. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ah, mais attends, mais. Ah, mais si, mais je crois que je connais. Attends. Faut que je regarde. Pourquoi ça marche pas quand je regarde? C'est les Moomies? Je connais pas. Enfin, j'arrive pas à trouver. Je vois une sorte d'hippopotame blanc, mais c'est tout. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas, je connais pas le dessin animé. Ah oui, je veux une preuve, je chante le refrain de Nono le petit robot. J'ai vu Nono, je suis Nono le petit robot, l'ami d'Ulysse. Voilà, ça te va? C'est le seul truc que je regardais en cassette. Mais mon répertoire de culture générale est très limité. Donc je n'arrive pas à tenir de conversation avec des gens. Voilà! Ah, c'est les Moomins. Ouais, bah c'est bien ce que je vois, je connais pas. Erol et Bélion. Voilà, voilà. Bah, c'est pas un drame. Bah, si, moi je suis ultra frustré. Du coup. Ce sont des dragons. Mazette. En vrai, pour moi, ça me fait beaucoup de gros blocages au niveau du social parce que. Et c'est peut-être pour ça que les gens pensent que je suis un peu centré sur moi des fois. Parce que, bah, en fait, j'ai rien à raconter. Je peux pas m'immiscer dans des conversations. Parce que j'ai pas de ref. Et niveau amitié, j'arrive pas à garder mes amis, j'en ai eu que très rarement dans ma vie. J'ai jamais fait les 400 coups, j'ai jamais profité de. Ma mère voulait pas que je sorte, donc du coup je pouvais pas profiter de la vie avec mes amis. Et du coup ça m'a beaucoup limité socialement en amitié, mais aussi en conversation. Et là, la preuve, vous voyez, je parle de moi parce que, ben, du coup, c'est le truc que je peux raconter, mais quand je suis avec d'autres gens, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, du coup, je suis tout le temps en retrait, je parle pas, je réagis que sur des trucs où je peux rebondir en mode humour, ou si je connais le machin, mais sinon, le reste du temps, ben, je suis à côté et je parle pas. Du coup, je me sens pas du tout intéressant et... ça me saoule quoi. Une plante verte en fait. Je ne sais pas ce qui a pris. Non, je vais pleurer. Marcher avec eux. Allez, on va se concentrer sur le jeu. J'ai encore finir par chialer là, c'est pas possible. Mais oui, bah oui. Bah, t'es plus qu'un ami. Genre. Je préfère quelqu'un de discret que quelqu'un qui prend trop d'espace. Mais justement, j'en prends pas de l'espace. Je suis là derrière, c'est tout. Je sais pas mon Calimero. Ah, Loulou, t'es drôle, t'es gentil. Ouais, mais c'est tout. Je sais pas. Rien de plus. Bref. J'ai être mal après. Merde, ça m'a enlevé le... Zut. Expelliarmus.
Je vais pas faire ça. Je pensais passer en fufu et tout. Mais je vois un Wimpa, j'en parle, ça me fait remonter mes émotions, c'est tout. Traîne plante verte, t'aurais pas 20 personnes qui te regardent. Mais oui, mais c'est pas pareil parce que là, là on joue un jeu, je réagis, on discute et tout. Mais IRL, on me prend pour caca pour réserver et on m'a souvent sorti que. En fait, si je parlais pas, c'est parce que je m'en foutais. Du coup, c'est très frustrant parce que à chaque fois maintenant que je parle pas et qu'on me dit je parle pas beaucoup, j'ai l'impression que les gens ils pensent que je m'en fous. C'est chiant. Oui, car c'est de plus en plus rare. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il est bien plus que drôle et gentil. Non mais il croit à tous de la conversation à revendre, j'ai toujours du mal à entrer dans les convos aussi, donc bon. Les gens tu les as... Bah ouais, oui et non, enfin c'est juste que bah... Du coup je me remets encore en question à chaque fois, c'est tout. Il se rappelle pas quand je l'ai amené à la niche de mon best. Oui bah il a fallu que j'en quitte quand même 3-4 verres. Hein. Il est pas comme il se décrit. Non mais quand il est question de m'amuser, c'est pas pareil. Quand il est question de discuter, tu m'oublies quoi. Pas pareil. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. C'est pas derrière. Ouais, j'aime pas trop discuter. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Beaucoup de mal avec les gens qui parlent tout le temps, comme pour combler un vide. Oui, c'est pareil aussi. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comment elle est enchaînée. Alors, allons l'aider. Ça, c'est des gens qui ont la peur du blanc. Là, je suis le même que toi. Attendez, on s'entend plus parler, en fait, là. Je vais baisser un peu. Est-ce que c'est fort de votre côté ou pas? Parce que moi, je gueule, mais du coup, j'entends tout, en fait. C'est pas important. Le dialogue, j'ai laissé fort, mais... ira très bien. Discuter, ben ouais, je comprends quasi jamais rien. Ouais, bah tu comprends un peu le truc, quoi. C'est un peu frustrant des fois, hein, mais bon, ma foi. Mais clairement, je m'en fous. Mais c'est pas une obligation de discuter. Regarde les muets, ils font comment? Oh, t'es con. T'es con. Oui, mais c'est bien aussi de discuter un peu et pas non plus être tout le temps dans. Dans l'écoute non-stop. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Regarde. Le blanc c'est bon pourtant, je sors. Ah ouais, je suis complètement d'accord. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Azette. Allô, Mora. Bah sûr. Voilà. Focalise sur quelque chose qui n'est pas capital. Ouais, mais... C'est pas que je me focalise dessus, c'est juste que à chaque fois que je... J'ai l'œuf. Je rencontre des gens, bon déjà il y a la timidité qui prend le dessus. Of course, mais je revois tout le temps les trucs d'avant et je revois les réactions dans les yeux des gens et je sens trop le mood des gens en face de moi et du coup ça me bloque encore plus. Ça me bloque et ça me saoule en fait. Ça me saoule d'être comme ça. C'est surtout ça. Ouais, mais tu vois, je saurais pas quoi dire. Si j'ai envie de parler.
Un peu, mais il n'y a pas besoin de discuter politique, guerre, actualité pendant 20 heures. On a tous un truc qui nous intéresse. Ouais. C'est vrai. J'ai au pétrifique, je sens. J'imagine que je devrais jeter un œil. Voilà. C'était trop compliqué, hein. Ah, il fallait faire des exploits de duel. Il manque qui là? Je les vois pas. Ah! Désarmer un braque. Ouais, bah je vais pas y arriver, c'est mort. Si je fais ça là. J'en ai validé un au moins. Ah, j'ai pas le sort Expelliarmus. Ah, si, il est là. Elle est où la chouin là? Viens là. Voilà. Si t'as envie d'être quelqu'un qui veut parler, il faut aller parler aussi, mais questionne l'autre, parler de soi, c'est centré, hein. Je vois. Oui, bah. Mais toi, j'aime pas non plus être. Trop. Comment on appelle ça? Intrusif. Mais la dernière fois, j'ai réussi à poser des questions. Vous voyez, en plus, je dis, j'ai réussi à poser des questions, c'est quand même dingue. Aux gens que je connaissais pas, tu vois, pour avoir un peu de discussion. Mais au final, après, ça s'arrête là parce que. On voit que j'ai pas pu ça dire. Ah, misère. Ah, mais il y a trop de mobs là. Mais laissez-moi, en fait. Faut que je fasse des. Ah, j'ai jamais le temps de le faire. Ah, misère. Attendez, je vous lis après, hein. Voyons si tu survivras à cette chaleur. Mais non, mais pas faire ça, à chaque fois je me cours de touche, ça me fatigue. C'est moi qui vais être les vieux sauts. Hein. Ah mais come on là. Oh, allez, ça dégage. On n'a pas le temps, il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Tu aurais pas de conversation, tu streamerais pas, donc tu en as car tu tiens très bien un stream. Et c'est pas. Ah, regarde, ça pour les Pierre, Paul et Jacques qui pourraient le faire. Oui, bah. Parce que je joue et je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut aller dans des conversations un peu plus compliquées pour moi, vous me perdez tout de suite. Hein. Après, quand t'es bourré, tu danses. Ouais, c'est ce que je fais. J'ai déjà vu mes streams, je sais même pas pourquoi les gens viennent tellement je n'ai rien à dire. C'est pas une bonne idée, je crois qu'on va bientôt le savoir. Mais non. Arrête, tu discutes et tout. Tu enlèves tes affaires et tu. Non, je me suis trompé. Ah, ça je peux le faire aussi. Sinon, tu restes toi-même, c'est bien aussi. On m'a rapproché. Ah. On m'a rapproché souvent d'être hautain parce que je parlais pas. Ouais, je le rapporte. Et apprendre à me connaître avant de me juger. Bah toi c'est un peu pareil aussi. Et coucou décalage, merci pour ton follow, comment ça va? Bonsoir. Être intrusif ça sent, si c'est le cas tu pars et c'est normal. Bref, tu te prends trop la tête pour ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. Soit toi c'est tout. Oui. Ouais, mais c'est juste que j'aimerais que les... Comment dire? J'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un de superficiel qui s'intéresse pas aux autres alors que c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je parle quand je connais le sujet, sinon j'écoute, même si je suis paumé, ça me va. Ouais, bah, de toute façon, c'est le même réflexe que j'ai.
Je discute parce que mes amis viennent me voir, mais sinon je ne suis pas à l'aise, j'ai l'impression d'être chiant. Alors qu'en vrai je suis drôle, enfin le pareil. Bah oui, attends. J'ai l'impression de m'entendre du coup, c'est très drôle. Noir des hybrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. De toute façon, si les gens ont des œillères, c'est leur problème, pas le tien. C'est vrai que faudrait que j'arrête de trop prendre pour acquis le regard des autres. Elle ne serait pas partisane. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte. C'est un peu mon hypersensibilité qui prend le dessus et c'est très dur de. Les gobelins, l'arène de combat, et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus, ça n'augure rien de bon. Ma foi. Que fait-on de l'œuf? Bah oui, on a un œuf là. On a libéré cet envolé. Est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais tu détaches de ce que tu ne contrôles pas. On ne pourra pas le cacher. On me l'a déjà dit hier d'ailleurs. Ouais, c'est compliqué. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on dans la tête des autres et même si un jour l'inverse serait étonnant. C'est le mec parfait pour tenir une discussion, quelqu'un te trouve super stressé. Ouais, t'as raison. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Comme toi, il est bédillon et franchement, les gens commencent à me parler. Et pourtant, il faut savoir, de mes 18 à 34 ans, j'avais pas d'amis ici en Belgique. Voilà, voilà. Bon, bah, on est parfait. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. On est pareil, du coup, hein. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Je me sens un peu plus compris. Ça me rassure. Dans un sens, mais ouais, faut que j'apprenne à détacher tout ça. Partout de câlins pour tous aller. Mais oui, faites-moi des câlins, j'en ai besoin. C'est longtemps que j'ai pas fait de câlins. Et pire que ça, j'ai envie de tout quitter pour commencer ailleurs. Alors, en vrai, c'est un peu ce que je fais aussi, mais tout ça qui reprend le dessus, c'est chiant. Sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé mais oui. Qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre la métamorphose. Venez assister à mon cours. Énergie de bisounours. Les bisous. J'ai connu les bisounours. Là j'ai la ref, oui. J'avais qu'un épisode chez moi. Elle a transplané, elle a. Toujours envie les gens dans la rue qui ont l'air juste heureux alors qu'en fait ils ne sont pas forcément heureux. Juste ils mettent leur masque de bonheur. Ouais, ouais. Heureux, enfin, tu les enviais parce qu'ils étaient heureux, enfin, parce que tu les voyais heureux dans la rue, c'est ça? C'est vrai qu'après, bon, on peut pas savoir hein, ce que les gens ont. On porte toutes et tous un masque à diverses occasions, oui. Bah, d'ailleurs, ça me rappelle un truc qui m'est arrivé lundi, là. J'étais en train de mettre le vrac. Alors, faut savoir que le vrac dans mon magasin, c'est la merde. Être en vieux, c'est mal. Oui. Ouais, bon, ça apporte beaucoup de mauvaises choses, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je disais? Je suis en train de mettre le vrac dans mon magasin. On va y aller. Et il faut savoir que, en fait, si j'enlève les silos de vrac, je peux pas les poser, sauf que. Ça les fait tomber si je les pose quelque part. Donc, trop chiant, je suis obligé de prendre un escabeau de long d'un mètre 80 là pour pouvoir remplir les silos avec des sacs de 5 kilos là en haut. J'en peux plus. Et à un moment, j'étais un peu déstabilisé. Je fais oh là là, mais je vais me casser la gueule avec ce truc. Et là, il y a une dame et tout. Elle me dit comment on appelle ça? Voulez-vous confesser d'abord? Du coup, moi, je me mets à rigoler et tout. Et du coup, je lui fais bah ça va, vous inquiétez pas, j'ai pas trop à dire, tranquille. Elle me fait bon, bah c'est bon, vous êtes absous. Et je fais bah c'est parfait, je peux mourir en paix. Alors c'est parti, je tombe de l'escabeau. Enfin, elle était morte de rire. Puis à un moment, enfin, je vais à la caisse et tout. Puis elle arrive à ma caisse et elle me fait, je lui fais ah bah bon, voilà, du coup. Et elle me dit ah vous savez je vous aime vous je vous aime vous, non c'est pas là que je voulais aller, j'ai passé une très mauvaise journée et le fait de vous
vous avoir rencontré et d'avoir rigolé avec vous, ça m'a fait du baume au cœur. Et j'en reviens sur ta discussion, c'est vrai qu'on sait pas en fait quand les gens paraissent heureux, mais en fait pas du tout. Oui, oui. Il y a que les prêtres qui peuvent. Attends, quoi? Ah oui, bah oui, il y a que les prêtres qui peuvent. Ta nouvelle crush, n'importe quoi. Comment ça? J'ai qu'un crush, moi. Il y a des gens qui doivent crusher sur moi, mais j'en ai pas connaissance. Mais non, mais c'est ma best cliente, c'est tout. Oui, juste être heureux et ne pas avoir à penser à toutes les merdes qui nous entourent. Mon masque préféré, juste un trou par la bouche, pour la bouche, sinon je porte pas de masque. Oh, il me fatigue. Je te jure. Et d'avoir des chiens en plus. Oui, on sait ton crush, c'est Vox. Oui, bien sûr. Ça s'appelle le déni, ça. C'est chouette, des petits coms comme ça. Ouais, bah écoute, ça m'a refait ma journée parce que effectivement, elle le voyait pas. Mais moi, j'étais pas bien non plus. Le fait qu'elle me dise ça, ça m'a réconforté dans un sens. Non, ça s'appelle Groot. Comment ça? J'ai pas suivi. Les gens qui crushent le disent rarement. Ou alors, je suis trop con pour le voir. Alors, bon, on me le dit pas. Mais je l'ai fait deux fois dans ma vie. La première fois, on m'a pris pour un... J'étais au lycée. Anecdote de merde. Anecdote de merde. Bonsoir. J'étais au lycée. J'avais un crush sur un mec. Et du coup, je lui ai dit, en fait, j'étais intéressé par lui. Et en fait, le mec, il a joué avec ça. En fait, il se foutait de ma gueule par derrière avec ses deux potes. Voilà. Vous avez un nouveau sort. Donc depuis, je n'ai plus dit que j'étais en crush sur quelqu'un. Et la dernière fois que je l'ai dit, j'aimerais que vous effectuiez quelques tâches qui vous permettront de remplir votre guide du sorcier. Une fois cela fait, assistez à mon cours de métamorphose afin que vous puissiez commencer. C'est une autre histoire, mais ça s'est mieux passé, on va dire. Voilà. Albatar, ouais, non, mais de fou, franchement, je vous jure. Et il disait à tout le monde, ouais, il me fait peur, ce mec, ça a l'air d'être un taré et tout. Alors que moi, je lui ai juste dit que j'étais en crush sur lui, que je voulais passer du temps un petit peu avec lui, quoi, hors des cours et tout, s'il voulait et tout. Et je suis passé pour un psychopathe. Je suis passé pour un psychopathe, en fait. Il le disait à tout le monde dans le lycée. J'étais en mode ok. Il passait devant moi avec ses deux potes. Ça faisait très film lycéen, genre en mode. Comme ça. Limite, on allait me balancer le jus de fruits à la gueule, vous voyez. Bref. Ça s'appelle un gros connard. Je vais finir solo dans ma vie, by the way. Tu parles de quoi? Du mec qui m'a dit ça? J'ai cherché ma batte de baseball. Oh, vous pouvez le laisser enterrer et il a vécu pire. J'ai su des trucs, voilà. Bon, bien plus tard après, mais il y a quelques années que j'ai su des choses, mais anyway. Du mec qui s'est foutu de toi. Non, je parlais de Az quand il disait « Et je vais finir solo dans ma vie, by the way. » Ah, je... Ok. C'est noté... Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? Oui, le sortilège de métamorphose. Mais d'abord, j'aimerais que vous effectuiez quelques tâches qui vous permettront de remplir votre guide du sorcier. Une fois cela fait, assistez à mon cours de métamorphose afin que nous puissions commencer la leçon. Mais oui, let's go, je veux transformer des gens, là. Dans le port souterrain? Mais je l'ai fait, ça! Pas fait? Je l'avais fait.
l'avait fait, en fait. Je pensais. J'étais allé pourtant, j'avais fait mon exploration et tout. Ah, mais non, c'était avec l'autre perso. Bon, ma foi. Ma foi. Alors, attendez. Ah oui, c'est là. Ah, j'ai pas vu ton message, Ryuki. Alors, je dis pas non plus si je crush par peur de me ramasser. Ouais, bah après, bon, t'sais, faut toujours oser un petit peu parce que t'es jamais sûr de rien. Jamais sûr de rien. Puis qui ne tente rien à rien, hein, en vrai. Ça se trouve, peut-être qu'il est la personne crush sur toi aussi, donc faut pas hésiter. Hein. C'est donc ça, le port souterrain. 9 chances sur 10, lui aussi, il savait pas comment réagir. Réveillio. Si tu as des petits. 9 chances sur. Oui, bah oui, ouais. Mais ah, mais je suis pas venue avec lui. La dame grise. Je lui dirais bien bonjour, mais elle n'a pas l'air très aimable. La dame grise. Ok, normalement il est là si je me souviens bien. Parfait. C'est cet endroit situé en dessous de la cour du viaduc qui accoste les bateaux faisant traverser le lac. Noir aux élèves de première année pour rejoindre Poudlard. Le lac noir. J'ai pas pourquoi j'ai fini ma phrase, moi. En mode, mais c'est quoi qui donc ? C'est quoi ça ricochet ? Ah, misère. Pouvons-nous nous retrouver aux trois balais ? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau. Pose canapé, je recharge la bête. Ah bon? Donc j'écris plus. Mazette. Quel genre de bête? Je rigole, je sais bien que tu parles du PC. Bêta poil, bien sûr. Ah, mais fallait me dire, je serais venu la recharger aussi. Je te jure. GG les up. Regardez l'heure. Je pense avoir la dalle, j'ai rarement jamais dit. C'est là. Hein. Non, c'est pas là. Si, c'est là. C'est la bibliothèque. C'est là qu'il faut que j'aille. Je regarde sur PC, mais j'écris portable. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Trop de temps de latence sur mon PC. Ah merde. Bon, t'inquiète. Voilà, j'ai pollué ton trombi avec ma sale tête, mais oui. Mais oui, t'es chou. Attends, je vais voir. T'as pas une sale tête, qu'est-ce que tu dis? Qui dit, je te mets même des emotes. Bah oui, t'es chou, t'es beau, ça va. Et je vois d'un Mac de plus de 10 ans. Ah bah oui, c'est vrai. Vivement que tu puisses réparer ton PC d'ailleurs. Ah bon, bah oui. Attendez, mais pourquoi elle m'emmène là, là? Fasse un autre truc, j'ai pas vu. On va pouvoir aller se libérer sur le trombi. Ah bon? Ah bah d'accord. Tu vois la page du guide du sorcier dans le manuel du cours moyen de métamorphose dans la bibliothèque. Ah putain. Ah bah d'accord.
juste besoin qu'on me délivre. Voilà. Délivrez-moi. Je l'ai pas pris ça, mais sans déconner. Bénissez-moi, amen. Oh. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé. Je te bénisse avec plaisir, mon dominatrice, quand tu veux. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Le professeur Weasley m'a demandé de, oh, punaise, c'est vrai. De récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je la voir? Ah oui, je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Ah, des questions? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils... Vas-y, on fait le quiz, on le finit. Ils disent qu'ils ont assez... On finit le quiz. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant, ouais, si tu insistes. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable. Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? La chrysalide dorée, le vivet doré, le serpoiseau. Ça, j'ai la réponse, du coup. J'avais entendu Aziz y jouer, du coup, j'ai la rêve. Le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé... Sachant que tu connais toutes les réponses, quasiment. Mais oui, presque. Je me souviens plus. Celui-là, je me souviens, mais les autres, je me souviens plus. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Ah bon? Quelle potion est communément appelée chance liquide? Le Félix Félicis, la goutte désopilante. Voudrais bien un peu de ma goutte désopilante. La pimentine. Eh bien, ce sera le Félix Félicis. Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques des fondateurs, les reliques de la mort. Les trois frères. Les reliques de la mort. La baguette, la cape d'invisibilité. Les reliques et de la mort, pierre de résurrection, voilà, je me souviens plus de la troisième. De la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. On sait ça, je l'ai même pour Nickel World. Mais grave! Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Putain, je me souviens plus. Bah, vif d'or, on sait que non. C'est soifle. Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch... Bah non, c'était pas le cognard, Yuki. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Bah, Hermione, elle s'est changée en chatte. Mais changer d'espèce, non. Du coup, elle reste humaine. Du coup, c'est non. Faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres... Et bonsoir Valérie, voilà, j'arrive, ça parle de chat. Bah ouais, t'as vu. Bonsoir Périche, comment ça va? Les prochaines seront plus difficiles. Normalement, même en animaux, tu peux pas, c'était un accident. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais du coup, ça l'a pas changé, ça... Elle a pas changé d'espèce, quoi. Elle est pas devenue une vraie chatte, quoi. Vas-y, on va faire les autres questions. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie? Le Conseil des sorciers, la Confédération internationale des sorciers, l'Ordre de Merlin. Ah, ça, je sais pas, ça. Az l'avait fait, mais je me souviens plus. Je crois que c'est le Conseil. Je regarde pas. Hein. Le Conseil des sorciers. C'est exact. Le Conseil des sorciers a été créé en 1707 après la création du Code international. Je regarde pas, j'ai essayé de deviner. Qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Oui, structurer un petit, moins un petit peu, s'il vous plaît. Structurez-moi, merci.
Quelle est la plus petite race de dragon? Ah, ça j'avais trouvé. J'en souviens, je l'avais trouvé. C'est la dent de vipère du Pérou. La dent de vipère du Pérou. Bisous Flo, merci d'être passé. Plein de gros bisous. À la prochaine. En moyenne, 5 mètres de long. Merci pour la lorcounette. Elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolar? Donc Pérou égale petit. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais qui a fondé le village de Préolar? Ça j'ai pas. Je vais mettre Woodcroft. Je sais pas si c'est ça, mais je pensais pas ça. Hengist de Woodcroft. C'est juste. Oh, il semblerait même que ce Hengist avait élu Domitille aux trois balais. Il le dit tout le temps après Olar, je sais pas, gaffe. Accidentellement croisé avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur. Hein? Quelle créature? La-di-da-di-da. Faut vraiment que je change ce truc parce que normalement t'as pas le droit de le faire en fait. Quelle créature a-t-elle accidentellement croisée avec une goule donnant ainsi naissance à un dissimuleur? J'ai envie de mettre demi-guise parce que c'est le seul truc que je connais. Une demi-guise. Oui. Ah pardon. Que le dissimuleur. C'est vrai, oui, la pas. Capacité de se rendre. Attendez parce que. Ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Il va nous mettre les Blackpink. Non, j'aime pas leur corée. J'ai fini le jeu, donc bon, lol. Ça va. T'as déjà fini. Quel est le sort sortilège capable de repousser un mot rempli? Ah, je me souviens. Merci Az encore. Le sortilège du Patronus. Bravo. Le seul survivant connu d'une attaque de mot rempli était un sorcier dénommé Flavius Bellini. J'ai ma seconde game en mode grosse biatch. Oh la coche. La loi sur la métamorphose élémentaire. Dominatrice la grosse biatch. Mais oui. La blague. Oula. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? J'ai envie de mettre Évangeline, parce que j'aime bien ce prénom. Du coup, les élèves parlent mal sur moi dans l'école, ça me fait rire. Ah bon? Alors d'accord. Mais bon, l'averne de Momo aussi, ça passe bien aussi. Je vais mettre Évangeline. Gamp, toi tu veux me faire foirer de toute façon, As, je sais. Évangeline Orpington. C'est incorrect. La réponse que j'attendais était. J'ai envie de te faire confiance, je pensais que tu voulais. Une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée. Je t'aime, As, excuse-moi. Que signifie la devise de Poudlard? Je pensais que t'allais me faire un coup fourré. Hein. Un gros coup fourré. Que signifie la devise de Poudlard? Ça, je sais. Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Il ne faut pas chatouiller. C'est beau l'amitié, dites donc. Correct. En latin, la devise de Poudlard est Draco voilà. Dormiens nunquam titillandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? Désolé, Yas. Par la gueule? Le Runespour, parce que Basilic, je vois mal. Enfin, le serpent cendre. Le Runespour. C'est exact. D'après des fourches langues, chacune des trois têtes. La créature, elle crache ses gosses, grave. A une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve, et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilver Morny? D'accord. Oh! Ilver Morny.
Moi aussi, je pompe par la bouche. Oui. Moi, c'est l'inverse, c'est on pond dans ma bouche. C'était trop dégueulasse, faut que je me cache. Excusez-moi. Attendez, je me cache. C'était un peu trop là. Mais bon, on l'a pas trop fait souvent dernièrement. Ça fait. C'est quand la dernière fois? Ça remonte à 8 ans. La Z. Bref, je me suis assez caché. Voilà. Où se situe l'école de sorcellerie des... Je suis choquette, genre arrêtez. Sur le mont Greylock. Sur le mont Greylock. Bravo. L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isold Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le dans plus mon cul. Puissant connu? Libellion, je laisse pas mes yeux à un estomac. Oh, c'est nul. Quel gâchis, là, Az. Ah, et bonsoir, Lix. Merci pour ton Prime, Mazette. 23e mois d'abonnement. À l'aide, ça passe tellement vite. Comment ça va? Ça va et toi? Épouse. Quel est le filtre d'amour le plus puissant inconnu des sorciers? Le Veritaserum. Je sais pas si c'est ça, en fait. Le Veritaserum. C'est faux. La réponse était l'amortensia. Je savais que c'était pas ça. L'odeur de l'amortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut, par c'est exemple, la mort. Sentir les livres poussiéreux ou... Oui, je sais, c'est dans le film et tout. Je vous ai dit, je ne retiens rien. Les plus difficiles. La vérité, c'est pour la vérité. Ah bon? Allons-y, allez, troisième niveau. Magnifique. J'admire. Allez, à la limite, tu as le score but ou tu as besoin de prot. C'est plus le besoin de prot. A-t-il été tué en duel? J'ai besoin de prot, Az. Tu retiens pas, mais tu as vu le test que j'ai fait. Oui, parce que ça, c'était plus récent. Mais là, c'était des trucs du film. Celui-là, je me souvenais plus de ce que tu avais répondu. Et c'était une rêve dans le film et je me souviens plus. Mais Ryuki, hein, merci pour ton 14e mois d'abonnement, t'es chou, hein, merci beaucoup. Hein. C'est gentil, merci pour le soutien, Lix et Ryuki. Qui va dire hein. Oula. Allez, lancer le train, mais grave. Elle est complètement tarée, elle. Bon, allez, moi j'y vais, des bisous. Bisous, Libellion, merci d'être passé, ça fait grave plaisir de t'avoir vu. Passe une bonne soirée. Des bisous. Par qui Émeric le Hargneux a-t-il été tué en duel? Egbert le Magnifique, Syrah Graven, Béatrix Boxlam. J'ai envie de mettre Egbert, je sais pas pourquoi. Egbert le Magnifique. C'est exact. Émeric est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette de Sureau. Ah, si la un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de but, quelle faute commet-il? Quoi? Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle... Elle pète, hein, elle pète... Mais what the fuck? Un tasse-but, je dirais... Un tasse-but. La réponse était le pognon-sac. Je savais. Le but en choc consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse-but survient lorsque deux poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un troisième poursuiveur de marquer. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du malagriffe tacheté? Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du malagriffe tacheté? Oui, de la malchance, allez. Vu que voilà, je n'ai pas de chance de dans la vie. Correct. Le malagriffe est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer. Bon bah j'ai dû me faire mordre par un malagriffe du coup. Secrète de l'empestine.
Le Mimbulus Mumbletonia. Oh, je sais pas. La fesse soporiforique. Le 6 cimbre. Allez, je vais mettre le 6. Le 6 cimbre. J'ai bien peur que la bonne réponse soit Mimbulus. Je savais, je voulais pas faire le nom extravagant. Je suis deg. De l'empestine comme mécanisme de défense lorsqu'on la touche. Quel sorcier du 12e siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine? Je suis sûr que c'est marqué quelque part en plus. Mais oui, j'ai plein de faux terrains. Linfred, allez, je sens bien Linfred. Linfred de Stinchcombe. Très bien. Des siècles plus tard, Glover Hipworth aurait étoffé le travail de Linfred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Dans Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse? Mais oui, tout à fait, j'allais vous le dire. Une seule pantoufle. Une seule pantoufle. C'est exact. L'histoire a été créée par Beedle le Bard, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. De quelle région du monde est originaire le Snallygaster? Quoi? Ça fait deux fois que je vois la forêt amazonienne, j'ai un doute. La forêt amazonienne? Non, la réponse était l'Amérique du Nord. Ah, misère. Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de l'Okami. Il est doté de dents crantées. Elle dit n'importe quoi! Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la bonne fortune? Lancelot, je sais pas pourquoi. Je vais mettre Lancelot. Sœur hein. Lancelot. Non, la réponse était Sœur Sanschance. C'était sûr. Les c'était trois sûr. Sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Altéda et Amata. Oh, j'adore les histoires qui se terminent par un rebondissement. Mais gentil. Sous quel autre nom est connu le plus grand kelpie du monde? Ah, le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness. Correct. Le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du Kelpie obtenues par les moldus. Qui était le premier ministre de la magie? Ulic Gamp. Oui. Le plus grand héritage de Gamp est le département de la justice magique, qui a interdit les sortilèges impardonnables. Tu as répondu à toutes les questions. Bah pourquoi? C'est agréable de voir que quelqu'un d'autre apprécie la valeur du savoir. Tu n'as pas à rougir de ta performance. J'aime le monsieur toujours prêt, mais oui. Merci. Mais qu'est-ce qu'il fait? De répondre à mon questionnaire. J'ai passé un très bon moment. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais te. Mais Az, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Az, t'es gentil, merci beaucoup pour le savoir-faire à Dr. Mackens, c'est gentil, merci énormément. You, j'ai les modes cadeaux, mais oui, mais... merci t'es chou, merci beaucoup. Et je suis Prumps, bah ouais, t'es Prumps, hein. Ah, ça qu'il faut que je prenne. Ça y est, on a fini son questionnaire. Pourquoi je vais pas le prendre? Ça bug? Ah, regarde. Excusez-moi. J'ai terminé les tâches. C'est bien, il y avait un souci. Je devrais aller en. Comment ça va depuis Grenoble? Bah écoute, écoute Pépou, je m'installe bien. Je m'installe bien, les chats aussi sont bien installés. Le boulot, c'est pas trop ça, mais c'est pas grave, on attend la fin du CDD. Je découvre un peu plus Grenoble. J'aime beaucoup le cadre, ça change beaucoup de Lyon, moi qui écoute toujours en Lyon. J'aime beaucoup les montagnes et tout à côté, j'adore. Je suis sorti une fois et tout, je rencontre des gens, je suis encore timide mais je rencontre des gens. Voili voilou, tu es allé à l'Urbex, oui on a fait de l'Urbex nocturne. Oh non c'était pas nocturne, mais ouais on était dans une ancienne école. Ancienne fac, abandonnée. Tout en haut, on a regardé tout Grenoble.
Et on va monter encore plus haut après. Merde, du coup je sortais de la carte The Bill. Non mais c'est trop bien, franchement je me plais là. Faut que j'aille là. Attendez, faut que j'aille où? Oui, Durne déjà, mais grave. Oui, on va monter sur mon sexe. Bah j'attends que ça en fait. Ah oui, localisé sur la carte. Ah oui, attendez, c'est ça qu'il faut que je fasse. Hein. Ah bah oui, bah c'est ça. Mais pourquoi elle me... Pourquoi il m'emmène là? C'est pas grave. Prévoir Baudrier et Ovomaltine. Baudrier. C'est un synonyme de quoi ça? C'est pour le chapeau? Voyager était incroyable. Baudrier, t'es pas prêt comme il disait l'autre? Et ben c'est ce qu'on verra. Je demande à voir. Je veux prouver. Je veux prouver que j'arriverai à aller tout en haut. Et mon entraînement là dans la salle de muscu avec les 1000 marches hein. Bon, j'ai fait hein. Un baudrier pour l'escalade. Oui, j'allais te le dire. Pourquoi est-ce qu'il y a une partie à escalader? Madone. Ça va, j'utilise pas trop ces termes, moi. J'ai fait... Vous voulez une anecdote de l'escalade? Réveillon. À quel point je suis ridicule aussi, même à l'escalade. Est-ce que vous la voulez? Elle est très rapide. Hein. Oui, il faut tailler avec une serpe. J'ai étudié ah. Le sort de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. Je fais... Attends qu'il faut tailler, je suis là. Hein. Anyway. Eh ben, une fois, quand je suis allé faire de l'escalade avec mes... avec mes camarades de classe à l'école primaire, Mazette. Est-ce un livre au début ou une chouette? Qui peut le dire? La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année... Qu'y a-t-il avant? Le livre ou la chouette? Qu'une vie entière ne suffit pas à... Une fois en stage d'été. Du coup, non. Eh ben, j'ai monté... En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé. Et je suis resté sur le mur à cette hauteur-là pendant une heure et demie. En chacun de vous, parce que j'arrivais plus à bouger. Des sorcières et des sorciers fabuleux tous, sans voilà. Exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Une heure et demie. Bon, vous savez tous quoi faire. C'est un plug de 45 cm avant. Ah! Ah bon? Ça fait beaucoup quand même. J'espère que t'avais assez d'huile pour faire passer tout ça, hein, parce que bon... du poppers. Excellent travail. Ça monte jusqu'aux amygdales. Ouais, il y a peut-être moyen. Il y a moyen. Ça va faire mal quand même aux intestins. Peut-être pour ça que du coup, t'as l'estomac qui était un peu acide la dernière fois. Madame Weasley est un vrai sac de capture. Ah, la coche. Vous souhaitiez discuter de mes problèmes. En tant que c'est beaucoup, ah merde. Bon, Ryuki. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Vous excellez dans vos devoirs cette année. Arrête. Une fois que j'excelle quelque part. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités. Je vais faire une pause de deux minutes après, histoire d'aller me prendre quelque chose à bouffer. Je suis en train de tourner les pommes. Mesure du succès. M'a dit que vous enfin, je suis en train de pas manger à midi. Et que vous l'aviez amené dans la salle sur demande. Non, quand ils s'y prennent mal, c'est trop aussi. Ouais. Ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci. Ah bah ça m'a valu une fissure anale. Je hein. suis très impressionné par tout ce que vous avez accompli. Vu les rumeurs qui couraient sur vos activités... Que je me suis gardé pendant 2 ans et demi. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration... Pas obligé de mettre les 45, tu peux arrêter quand tu veux. Oui, bah oui, of course. D'une façon ou d'une autre au professeur Fig.
En fait, on est jumeaux MDR. Mais grave, on est fait pour être ensemble, en fait, mon dominatrice. Et c'est mieux que pas assez. Comment ça? Oui, bah, j'ai lui dire. Allez. Le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible afin de... Tu m'héberges le temps que je trouve... Et t'as fait un boulot. Ouais, avec plaisir, vas-y, viens. J'admire votre penchant vas-y. Pour l'apprentissage. En plus, bientôt, je vais recevoir mon canapé lit. Le devoir et le guide voilà. du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver. Et imagine, t'aimes avoir 10. Vous préparer pour vos buses. Et que tu accueilles 8. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Je te reprendrai les clés par contre. Bah imagine t'aimes avoir 10 et tu as que 8. Rendu compte de quelque chose au sujet. Ah, tu parles de la taille du... Retrouve-moi au Belvédère. Je vais tout expliquer. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre... De toute façon, ouais, je sais pas. Trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins. Je sais pas parce que bah, j'ai pas testé, donc... Enfin, tu sais, j'ai testé une fois du coup ce qui m'a valu la fissure, mais la taille du plug. Ah, la taille qui compte, c'est la satisfaction MDR. Ouais, pas dire ça, c'est le goût. Non, mais c'est le goût, c'est sûr. C'est le goût 100%. Ah, faut que je teste. D'ailleurs, je me souviens plus du tout du goût. Ça fait bien trop longtemps. Qu'il faut faire là? C'est quoi toutes ces quêtes là? J'avais pas tout ça avant! Ah, par la chic. Ah oui, je disais que je revenais. J'arrive. Bah non. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah à chaque... Bah chaque pénis a son goût, le goût change en fonction des gens et en fonction de l'hygiène. Oui bah oui. Les clés, celles que je garde dans mon slip, faudra venir les récupérer alors. Ah bah j'arrive hein. J'arrive. De ce pas d'ailleurs. Mais non, tu vas me dire non de toute façon. Donc, j'ai l'habitude. C'est que des... comment on appelle ça? C'est me mettre le c'est me mettre de l'eau à la bouche. Voilà. Et voilà, c'est tout. Je reviens. Mais elle est folle, putain. Bref, fallait que vous me fassiez comme ça. Jean-Hier, c'était intérieur vers extérieur et extérieur vers intérieur. Vous ne savez pas? Ah merde, putain, hier, quand j'ai passé en T3, ils étaient tous de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, ce soir, pareil. Je peux faire que ça aussi. Ah, Wingardium Leviosa. Ronald Weasley. Leviosa. Ah, Leviosa. Putain, c'est pas vrai. Je vais canner, j'en peux plus. Êtes-vous amical? Alors comme ça, tu m'as trompé. T'as cru que t'avais pas capté. T'as changé de parfum, numéro, comme si tu parlais que t'étais recherché. Apparemment.
bosse demain matin. Malheureusement. Said we've both been dancing all this time. What a coincidence. J'arrive, hein. Excusez-moi. Oui, voilà, la carotte et le bâton. Le bâton, je le garde. Oui, bah j'avais bien compris. Non. Alors, il va falloir arrêter de me chauffer comme ça, hein, parce que moi, j'en peux plus, hein. Voilà. Ça va pas t'épé, The Bee. Parce que moi, on me dit ça, machin, bidule, tout ça, quoi. Voilà, on me dit ça, sachant que du coup, je sais que je ne l'obtiendrai jamais, ou du moins pas avec moi. Bah, c'est frustrant à force. Voilà. Ah bon, ma faute alors. Bon, bah, j'arrête. Mais non. À moitié. Chic, aimeriez-vous parler quand vous aurez un instant? Je vous jure, j'ai pris des petits gâteaux du coup. Bonjour Chic, le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour, oui, à propos, Chic a eu une idée. Il... J'aime bien cette danse, hein, mes fruits. Mange des fruits. Faut bien que tu dises les gâteaux que j'ai achetés. Hein. J'ai bouffé toutes les mandarines déjà. Oh, bonjour. Oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. J'ai grave besoin d'espace dans ma salle sur demande. Il a eu une idée. Chic sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est magaré, le carreau de Cendrillon, mais grave. Les Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte. J'ai pas la ref de cette musique. Le maître de Tobbs lui est interdit de quitter la grotte. Et Chic sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chic n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chic a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je l'ai enlevé. C'est Bourville. Je comprends. Je m'en occupe, Chic. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chic ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. C'est pas lancé. Voilà. Nectar mort, t'es caté, il s'en fout que t'es pas la rêve du coup. D'accord. Ça va. Ben rip, voilà. Rip. Rip as. C'est où le métier? Attis, c'est là. Par contre, je crois que j'ai le foot là, lui. Hein. J'ai tout mis en noir. Tout en noir. Parce que j'ai des idées noires, donc du coup, je mets tout en noir. Fasse quoi? Ah, faut que je trouve la grotte. Attendez. Quoi? Ah, rien à voir. Bye. Et bisous, Az. Merci pour la lorcounette. À toutes. Bisous. Non. Comment j'y vais? Bon, elle est là. On y va en balai. Vu que monsieur boit du noir. Mais je bois pas du noir là. J'étais en train de tout mettre en noir. Tu pars juste pour ça. Ouais. Mais non, reste. Reste en.
Voilà, ben dis donc. Oh. Même pas mal. J'ai juste envie de sieste un peu en écoutant ta voix. Oh, t'es chou. Tu trouves que j'ai une voix reposante? La bonne sieste du coup, des bisous. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Oh la misère. Je n'ai pas vraiment le choix. Confringo. Protego. Non, c'était pas là qu'il fallait que je lance. Ah, il faut que j'aille là-dedans. Là-dedans, là ? Au secours. Bah, rentrons dans cette grotte. Oh, pénétrons dans la grotte. Oui. Tu parlais de voix 2. Bon, bah. J'ai compris, y a pas de soucis. Voilà. Oh, la grotte araignée. Confringo. Revelio. Tu as trois fêles en dessous du quota, ça signifie. Solution de ratatinage. What the fuck? Et c'est privé de nourriture, j'hallucine. Le maître de Tobbs est terrible. Ah, c'est son maître en plus. Oh, bichette. Tobbs? Tobbs? Je viens de la part de Chick. Tu es là? Ah, t'as pas vu, il y avait des coffres ou pas? Film Yama, à plus tard. Et sinon, le gros bisou. Bisous, mon dominatrice. Bon appétit, à la prochaine. Confringo. En plus, c'est triste ici. Ah bon? Bye Sodo. Comment ça? Sodominatrice. Mais oui. La partie. Dominatrice, ouais. Oula. Misère. Et oui, la grande sous-dominatrice. En fait, vous partez en même temps, c'est juste bête, dis donc. Revelio. On dirait que Tobbs est passé par là. Je... Et... Oula, merde déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la creuse. Elle est un peu buggée, elle, je crois, non? Ils sont déjà plus là, regardez-les. J'y vais. Voilà. Voilà. Oh.
Mais si, mais je fais comment pour l'Urf aussi? Ah, pour l'Urk? Ah, parce que tu, du coup tu parles pas. Je viens de capter. Ah, oula. C'est bon. Voilà. Pourquoi ce petit cœur là d'un coup? Ça m'inquiétait. Ah Z. Tout le monde est parti bouffer en fait. Oh là. C'est où le S? Merde. J'ai creusé. Hein. Moi, je te fais un petit cœur vert, Az. Ah, j'ai tombé. Le cul. Viens vous chercher Tobs, il semblerait qu'il ait épuisé toutes les sangsues qui étaient ici et dû s'aventurer plus avant dans la grotte. Oh punaise. On va s'enfoncer encore plus là-dedans là. Au secours. Voilà. Ah là. Ah bah oui, bah non. Oh. Ah, pas assez vite. C'est quoi cet enfer là? Mais pardon. Oh là là. Oh. Mais what the fuck. Mais laissez-moi jouer en fait. Mais pardon. Mais excusez-moi. Mais what the fuck. Fasse mes sorts vite fait là, hein. Il faut plus de sorts de. Mais quoi? Incendio.
mais mais wesh. Mais ça arrête jamais, hein. Elle leur rappelle d'autres, sans déconner. Mais what? Mais elle est ravagée, celle-là. Bon, je vous lis après, hein. Mais what? La misère. Ah, ça dégage, merci. Et bonsoir à l'extérieur, comment ça va? Hello, comment vas-tu? T'as passé une bonne journée? Jamais la grid pour retenir ses... Ouais, bah oui, attends. Il nous laisse toutes ces merdes là, au secours. Je vous jure. Je vous jure. C'est très bien, et toi? Bah écoute, ça va, pépouze. Pépouze. Ça se passe avant, c'est avant Harry Potter. C'est en 1800, je crois, quelque chose comme ça. Confringo. Bien avant Harry Potter. Réveillio. Bien, je récolte un petit peu. Ah, j'ai laissé un truc là-bas, zut. C'est par là qu'on passe. Attendez, mais je... Mais on part par où là? Par là? Bon, c'est par là, hein, vu qu'il y a l'étoile. Du coup, ça se passe bien avant Harry Potter. Oh non, cet elfe de maison, ça doit être Tobbs. Ah. Oh. Ah, bébou. Comment je fais là? Ah, bébou. Vous trouvez le corps de Tobbs? C'est que la grosse araignée était trop forte. Tobbs est indigne de vous et mérite sa punition. Ah, oh, bûchette. Pauvre Tobbs. Abandonné à son sort avec les araignées. Ah bah alors. Ah, je suis trop sad là. Par contre, je ressors pas à roue là. Je suis pas rêvé Lio là. Ah. Il y a des trucs là-bas. Je vais pas casser ça là. Ah, je me disais aussi. Demi-miam? T'as mangé? J'ai pas compris. Il y a le chat qui va me sauter dessus.
Cet inventaire. Escamiam, bon appétit Ryuki, des bisous à toutes. Je sais pas si je serai encore en stream si tu reviens, je pense. Je pense que j'aurai des coups avant. Là, il y avait du vert. Non, c'était pas là, c'était là. Et bah, ça va détruire, voilà. Puis ça aussi. On est riche, donc c'est bon. Merde, il est où le coffre? Voilà. Ici, j'ai mis même devant l'écran. Dac, bonne app. Bonne app. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. J'en ai laissé des coffres, là. Réveillon. T'as bien fouillé, moi. J'ai raté des trucs. Il y a des trucs super hauts aussi là. C'est compliqué cette affaire. C'est par là. Aller plus vite. T'as passé une bonne journée, Alec ? Je passe encore là. Réveillon. Je suis peur. Ah, quel enfer. Je suis peur où je suis passé là. Il y avait des trucs à déverrouiller. C'était pas par là, je crois. C'était là. Non, c'est bon. Un coffre là. Ah, il est après. Je dis bien que j'avais oublié de couper un truc encore. C'était sûr. Réveillon. Et le coffre, il est là. Je vais mourir si je tombe là. Ah. Ah merde. Confringo. Voilà. J'imagine qu'il faut que je remonte. Voilà, c'est bon. On est au bon endroit. Normalement, là, j'ai rien à récupérer. Parfait.
Ok, c'est bon, on peut se casser. Ah, Mazette. Mazette. Oh, le pauvre Chic, il va être deg. Il va être trop triste, bichette. Chapi, coucou, comment ça va? Hello. Alors fais gaffe, je sais pas où t'en es, mais j'ai peur de te spoil. Comment ça va, Chapi? Ça va mieux? Ah oh, zut! Ah, c'est vrai que t'étais malade. T'étais malade, il me semble, hein. C'était ça, hein. Attends. C'était le boulot, je me souviens plus. Non, je t'enverrai un MP. Oula. Pas me faire peur comme ça, là. Mazette. Bah, repose-toi, alors. Ah, tu peux pas trop jouer? Bah, pourquoi? Ah, bah. Je suis de retour de la tu me diras. Fantastique. Oh, Chic espère que vous avez. Ménage-toi, repose-toi bien. Je suis désolée de t'annoncer ça, Chic. Mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non, c'est ce que craignait Chic, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chic et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. On parle, c'est pas trop grave quand même. Nous avons été séparés à sa mort. Chic aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chic a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chic. Chic lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh. Chic, il faut tourner la page, non mais wesh. Merci, vous êtes bien. Pas du tout compatissant. Chic voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. De voir la gueule de ça là. Mazette. Oh, c'est la mer. Ouah, c'est beau. Oh. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chic dans la salle sur demande. Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. Ah, va voir que. Non, ça va, Chapi, boulot et tout, ou c'est lié aussi à ce que t'as? Tu croules pas trop sur les trucs à faire? J'espère que tu fais pas un burn-out quand même, là. Enfin, c'est vrai que tu pourrais, hein, vu la masse de boulot des fois que t'avais. Tu t'inquiètes pas de burn-out. Ah! Ok, ok. Bonjour, Chic. Est-ce qu'il faut que je te tire les cartes? Oui, Chic a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Ça va, là. Ah, ah. Mmh, oui. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici dans la salle nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. On s'hydrate, merci. Qu'est-ce que je dois faire?
Commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasort pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasort, revenez voir Chick. Vlad, arrête de faire des bêtises. Sors de là. Ah, bizarre. Acheter un créasort d'enclos de reproduction. Bah, c'est fait, non? Je l'ai pas acheté. Je croyais que je l'avais acheté, moi. Carte de Prolard, du coup. Il me semblait que je l'avais acheté. J'ai pas tout déverrouillé avec lui. Ah, il y a peut-être pop après. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Tu as combien de temps de jeu, plus ou moins? Bonjour. Il y a beaucoup de choses. Sur ce perso là. D'ailleurs, j'ai peut-être sauvegardé, ça pourrait être pas mal vu comment ça lag là. Sur ce perso là, je suis à 26 heures, donc je vais être à peu près à 50 heures sur les deux persos en tout. Quelque chose comme ça. 50-60 heures. Il y a beaucoup de farming à faire. Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Le cas débloqué et tout. Je devrais retourner voir Chick. Ouais, en fait, j'avais fait ce perso là. D'ailleurs, on voit pas sa gueule, c'est con. Bouger là. Bouger là. J'aime bouger là. C'est bien là, non? Ouais, on est bien. J'ai fait ce perso là pour hors stream pour jouer un petit peu, mais du coup je l'ai repris parce que le perso que je jouais sur Serdaigle, je connaissais déjà tout, donc il n'y avait pas de surprise. C'était un peu bref. Voilà, du coup je reste avec lui maintenant là pour les streams. J'ai pas l'avancé, juste faire de l'exploration et puis avancer le deuxième de mon côté. Carte de Poudlard. Ouais, j'aurais peut-être pas dû créer le deuxième perso, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça fait longtemps celui-là. You, j'ai un mal à galoper, fancy. Ouh. Ah, la chic. J'ai sauvé les sombrales. Ah, mais j'avais déjà les sombrales, j'ai sauvé hors stream. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vide. Il y a grave du housing dedans, chapitre, tu vas kiffer. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Ah oui, le processus. Vous devrez invoquer leur enclos. Ah bon? Mais encore? Ah bah d'accord. C'est quoi ça? Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ses sombrales. Prévenez Chick une fois qu'ils se seront reproduits. Oui. Ah, oh, c'est le marais. C'est le marais. Alors, comment on fait déjà? J'aime bien le marais. Voilà. C'est qu'on peut le foutre là. On peut le foutre là-bas, là. Ah, on peut pas là.
paraît bien là. Est-ce que je suis dedans? Peut-être là. Là c'est bien là. Voilà. Ok, utiliser l'enclos de reproduction pour reproduire des sombrales. Ah! Ils sont où mes sombrales? Ils sont là. Ah bon? Ah! Calmez-vous! Voilà. Comment ça déjà occupé? Ah oui, près dans 30 minutes. Oh bah oui, il est là, le bébé sombral. C'est chou. C'est chou. Alors que je décore tout ça encore, ma zette. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu un petit bug là. Il y a un petit bug parce que cette salle était déjà ouverte, hein, voyons, on se calme. Oh là là, misère. Tout ce qu'il y a à faire. Ok, non, c'est bon, pas besoin. Eh ben écoutez, j'ai sauvegardé là et je pense qu'on va arrêter, hein. Ça fait 3 heures là. Ouais, c'est 3 heures. J'allais manger, j'ai trop la dalle, je suis en train de tomber dans les pommes. Il faut du consistant. Hop. Alors. Oh, ASMR, oui, voilà. Non, bébou. Voilà. C'est fort. Pourquoi c'est là-dessus? Ça a changé de PC. Désolé pour les oreilles. Voilà. Misère. J'ai regardé chez qui je vais vous envoyer. Je finis juste de sauvegarder. Hop. Chez qui on va? Chez qui on va? Qui est-ce qu'il y a? Ah bah y'a Forma. Ah, Forma il est sur Hogwarts, alors let's go. Allez, on va aller voir Forma. Red Forma Get. Ah, oh, je suis en caps lock, zut. Slash Red Forma Get. Bah nous on se retrouve, bah je vous dirai encore sur Discord, hein, quand est-ce que je vais restream. Je sais pas encore, pas demain, ça c'est sûr. Le reste de la semaine, je bosse tous les jours. On sera peut-être dimanche. Je sais pas, je vais voir. Je vous dirai le jour J. Je vais faire plus faire de planning. Comme ça, je stream quand je me sens de stream. Voilà, voilà. Et du coup, merci encore à Az pour son abonnement offert. À Ryuki pour ton resub. À Lix pour ton resub aussi. Ton 23e mois, Mazette. À Hero pour ton resub également. Je crois que j'ai oublié personne. Merci Shootman pour tes buts. Hein. Oh, oui. Manap, repose-toi bien. Merci, toi aussi. J'en ai un petit peu besoin. Là, je fais le yo-yo émotionnel en ce moment. C'est un peu. C'est un peu relou. Voilà. Ma foi. Et ben, je vous envoie chez Forma. Il est sur Hogwarts Legacy. Vous faites attention, hein, il risque d'avoir du spoil. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci encore pour votre soutien. Passez une bonne soirée. À la prochaine, bisous bisous, et on se MP Chapi, hein, on se MP, bisous bisous. Merci Bonap. Oui, j'essaierai de venir Ryuki, c'est vrai que j'ai pas mal de trucs à faire, c'est je passerai vous faire coucou. J'ose pas, quand je vois que vous êtes en raid, je me dis, si je rentre en pleine stratégie, ma foi c'est chaud quoi. Voilà. Des bisous, prenez soin de vous, bonne soirée.